It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Le four il est pas ouvert, hein. Il est pas ouvert le four. Ferme ta gueule, yo. T'es con ou quoi, c'est cheater. C'est le quoi, lui. Gros paillot. Yo, les man, vous kiffez ma nouvelle pecou? Tu as fait un trou dans ton jurin, s'il te plaît. Est-ce que t'as le train de chawa? Tu vas me changer cette coupe de cheveux, je te fais la boule à Z. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais yo, non, Brandon, tu vas pas me faire la boule à Z. T'es sérieux, man? J'ai grave du flow. Du coup, je veux pas traîner avec un mec. Ferme-la, je suis au Onizuka, frère. T'es con ou quoi? C'est toi, Onizuka, c'est le mec. Eh ouais, je suis Onizuka. Ouh, Onizuka. Eh ouais, c'est moi, frère, tu connais, hein. Non, là, c'est plutôt Onizuka, hein, parce que tu ressembles vraiment. Ah, ta gueule, le rappeur en carton, là. Arrête de faire le gangster, toi. Je fais même pas de rap, je fais même pas de faire le. Tu fais des wraps, ouais, tu fais des wraps, oui. Au McDo. Arrête de faire le gangster ici là. Ben par contre, hey, c'est quand vraiment lui on lui dit que son ensemble pas de mondial il schmoute. Parce que vraiment là c'est. Oh mais arrête de faire tomber mon rack du. Toi. Hey, tu me fais penser à quoi le mec avec la casquette là? Je te fais penser à ton daron qui t'a abandonné à la naissance, c'est ça? T'as vu les figurines Funko Pop? Les gars, on va créer une règle au chat. Interdit de parler des darons et des daronnes. Ok, fils de pute. T'es viré, t'es ban du Tchex. Ah voilà, et le seul Renoir il est viré du Tchex. Voilà, allez les racistes, c'est qui? C'est les Marseillais. Arrête de dire ça, il y a deux ici. Mais Marseille, il n'y a pas de Marseille. Arrêtez de dire ça s'il vous plaît. Vous venez de Marseille, franchement vous venez de Marseille. Tu viens de Los Santos du Sud, c'est ça? Trou du cul. Mais est-ce que j'ai un accent du Sud, man? Trou du cul, tu me casses tarping les couilles là, putain. C'est une dinguerie. Mais tu viens d'où en fait? Les couilles, va te faire un cul, les gros caves, hein, c'est bon? Gros cave. Arrête, non, je suis juste allé une fois en France. Je suis jamais allé à Marseille. Mais tu viens d'où alors? Mais t'as où en France? Je viens de Aitos, j'ai fait un petit peu tous les checks, t'as vu? Chercher un poste de gars. Vas-y, attendez, je vais voir mes potes les ouverts, je reviens. Hé les gars, j'essaie de trouver du business pour ce soir là, des plavons. On va sur un plan là, Skittles. Tu nous rappelles dans la soirée pour vous la soirée. Vous allez sur quel plan? Je nous rappelle dans 3 heures, c'est bon. Nique ta mère. Non, franchement, vas-y. Vous voulez me discriminer? Vas-y, discriminez-moi, vous allez voir. La vie de ma mère, non mais. Regardez, on va être en guerre. La vie de ma mère, regardez, on va être en guerre. On va être en guerre. Et la vie de ma mère, vous allez voir. Je vais revenir avec des armes. Bande de putes. Aïe. Non, excuse mon gars. Yo. Tous pareil, les Congolais. Vas-y, rends-moi ta moto là. Putain, vas-y frère. Ce bâtard, tu es une merde. Putain. Mais attendez, je voulais me faire la gueule là. Vas-y, donnez-moi un véhicule que je fasse vraiment la gueule. Ouais, man, bien. Viens, je te dépose. Vas-y, t'es un bon. Dépose-moi. Oh non, je vais pas le déposer. Vas-y, au nom de la science, je te dépose. C'est bon, je vais te déposer, chef. Je vais te déposer. Viens, je te dépose. Vas-y, monte. Oh, j'ai essayé de le taper. Non, j'ai juste trébuché. Il y avait une peau de banane. Vas-y, monte. Merci Nokix pour ton 10e mois. Merci Ameto. Merci pour ton 7e mois. Merci. Ouais, je viens de voir. Attends, je vais remercier. Vas-y, dépose-moi au quartier des ouverts, s'il te plaît, man. Eh, hey, je vous parle plus, bande de putes de racistes. Nique ta mère. Ah, je me suis embrouillé avec eux là. Je suis énervé. Ah ouais? Je suis ZRF. Ah, faut que je te fasse écouter un son là. Ah ouais? Vas-y, ouais, fais-moi écouter un son. C'est un mec qui s'appelle Walid, il est trop fort. Il s'appelle Walid? Tiens, écoute. Lui là, faut partager sa mixtape, il est trop fort. Ah ouais, j'aime bien la prod. C'est Izzy qui a la prod. C'est Zilly. Oui. C'est Gilili. C'est Bigali à la prod. Parlez très bien. Parce que l'amour n'a pas fini avec c'est toi. N'a pas fini. Ta mère, yo. Vas-y, attends, je veux que mes cheveux fassent un mec de B34, je crois. Enfin, il m'a dit qu'il habite dans le Bronx. Pas de soucis, j'attends juste une clé pour la commande. Ah ouais, y'a tonton, il va venir. Yo, Ouais. Y'a un problème. C'est quoi le problème? T'as vu l'autre jour là, tu m'as donné du crack. Et Skittles aussi. Ouais. Ouais. Y'a quoi? Vous voulez me donner une AK-47? Attends, je la prends, c'est où? Non, on va rien te donner du tout. Tu vas mettre la main à la poche, tu vas mettre des gants. Des gants? On va faire un truc. Oui, tu vas mettre des gants. Vas-y, attends, casquette, cagoule et ganté. Tu connais. T'as pu tout prendre ou pas, ça va? Bah ouais, j'ai tout, t'inquiète. Après, je vais te donner un Skittles à part.
Vas-y, donnez-moi. C'est qui les 4 qui... Vas-y, grand, c'est qui le 4ème amusant. Avec nous, les gars? C'est qui le 4ème avec nous? Faut qu'on aille mettre des gants, tout. Genre, faut que je fasse... Attendez, mais ils vont m'emmener sur un blavon, là. Ouais, Salma, c'est comment? C'est quoi les tanks? Je sais pas quoi, là. Eh, je sais pas, ça m'a pris pour un terreau, la vie de ma mère. Bah, dans allez, on voit ça après, là. Ferme la porte, ferme la porte. Salva, tu viens d'où? Ah, bien vu. Tu viens d'où? Mexico, mais hermano. Ah ouais, yo, c'est loin, ça. Eh ouais. Putain, lourd. Eh, yo, Darico, y a un problème. Vas-y, raconte. Ben, en gros, yo, t'as vu, maman? Quoi? Bah, en gros, t'as vu, j'avais ma chambre avec la Play. Ouais. Mais genre en mode sous le lit, tu vois, j'ai caché un peu la marchandise que tu m'as filée. Oh putain. Mais elle est. Elle est tombée dessus. Et en gros, elle m'a dit. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit c'était de la gomme pour les cours. Sauf qu'elle m'a dit t'es exclu des cours, trou du cul. Je lui ai dit ah ouais, merde, t'es bah con, c'est du quoi, shit. De la gomme, un sachet autant. Du shit? Ouais, parce qu'en fait, les Marseillais m'avaient dit je devais garder 4 kilos de shit, donc je les ai gardés à la maison, mais ça puait, yo. Et en fait, après, il y avait le crack aussi. Du coup, elle est tombée dessus. Et en gros, elle m'a dit remets plus jamais les pieds à la maison. Elle m'a dit elle voulait déménager du quartier. Elle voulait plus entendre parler de nous et tout. Bah, toi, de toute façon, ça fait longtemps qu'elle te fait la gueule, non? Non, je suis un artiste maintenant. Je lui dis que j'avais arrêté mes conneries et que je faisais de la musique. Elle m'a dit elle les croyait pas, elle savait que tu tirais sur des gens. Ah là là là, toujours pris pour un mytho, j'ai jamais compris pourquoi. Mais elle m'a dit, elle voulait déménager du quartier, elle voulait plus jamais entendre parler de nous. C'est normal ou pas? Ou c'est du bluff? Elle va aller où? Elle va aller où? Je sais pas, elle m'a dit là, elle est en train d'économiser. Tu crois que c'est qui paye les factures? C'est elle? Ah ouais, arrête. J'avoue. Ah, c'est toi que tu payes les factures, mais yo, t'es un bon de ouf. Son câble télé, quoi, sa TNT, je sais pas. Non, mais je te jure, tu connais maman, yo, quand elle a une idée en tête, man, elle va vraiment partir. Même si elle doit vivre dans 5 mètres carrés, elle va le faire. Elle va partir où? Mais je sais pas, man. Peut-être à Manhattan ou quoi, si autre part. Pas. Moi, c'est moi, je décide si elle part ou pas. Il y a que Dieu ou moi qui peut décider si elle part. D'accord, quoi. Je te jure, man, à tout moment, hein, je la connais, maman, quand elle dit un truc, c'est pas des lol. Hein. Franchement, elle m'a dit, elle voulait plus entendre parler de nous, que je devenais comme papa, comme toi et tout. Je sais pas, c'est la merde, là. Il est où, lui? Ah ouais, d'ailleurs, Johanna aussi, elle veut plus que j'aille dans son appart. Pourquoi? Tu l'as fait quoi? Longue histoire. Attends, y'a tonton, il m'appelle. Allo? T'es sous la douche. Ouais. Kittles? Ouais, tonton, voilà. T'es où, man? Hey, c'est KitKat là. Je vais me mettre en route là. Ah, ok. Attends, parce que là, en fait, j'ai un problème là. Faut que je rende un service à Draco là. Il m'a donné une mission. C'est qui? Il n'y a pas de soucis. Je dois aller chercher des tomates au marché. Du coup, bah, je fais ça avec lui. Je t'appelle après, c'est bon? Ok, ouais, on fait comme ça, hein. Mais, pas de soucis. Tonton, faut que je te parle d'un truc trop important. Sa mère, c'est la merde là. Je suis dans les problèmes. Ceux qui ont des chutes là, pour une voiture, au nom de laisse une place dans la voiture, t'inquiète, ça va monter, t'inquiète, je te rappelle. Vas-y, ok, qu'est-ce que je leur ramène? Les mecs qui ont des straps montent avec toi ou pas? Non, bah non, ceux qui ont des straps, vous y allez en moto. Moi, je vais récupérer le mec en voiture. C'est quoi des straps? C'est une arme. Yo, vous avez des armes? Vas-y, go. Montre. Oh, dinguerie. Yo, derrière, montre ton arme, c'est quoi ton nom? Non, lui il en a pas, lui. Moi c'est Rondo, lui je vais le baiser ton. Je fais exprès de pas te reconnaître, Rondo. Tu sais qu'en plus ce fils. Tu sais ce qu'il a fait ce fils de pute? Non, il m'a. J'ai rien fait, on s'est checké la dernière fois, on s'est vu. Ouais. Eh, ça reste parti, Rondo, arrête tes conneries là. J'ai fait un petit soleil. Ouais, mais nique sa mère. Je t'ai rendu de la moto et je t'ai emmené à l'hôpital là. Non, j'espère que c'est pas ça. Viens, on braque le clucking bell, yo, les caisses elles doivent être grave remplies. Ah ouais? Je te jure, moi je le braque normal là, tu me donnes une arme, j'y vais tout de suite, je le quebre. Non mais me paye chaque semaine pour éviter que je le braque. Ah ouais, triche à la pute, si tu veux, victime. Vas-y, en fait. Bougez-vous, sinon c'est moi qui vous gêne. Attends, du coup, Draco, tu veux qu'on le prenne, Skid, pour Cook? Eh mais les gars, mais arrêtez de me prendre pour un petit peu, yo, ça y est là. Je suis dans la cour des grands. Ah. Tu veux cuisiner ou pas? Cuisiner, ouais, moi je t'ai. Tu sais que le mafé, je le fais hyper bien. Non, maman, elle m'a appris du connard, je te parle pas du mafé là. Ah bah après, je sais faire poulet curry, peut-être boah, des haricots verts, je sais faire cuire. Pourquoi hein. Tu montes, c'est même pas faire à manger, t'as jamais fait à manger. Bon, j'avoue, mais nique sa mère. Oh, je te parle pas de culinaire. Eh, oh, dinguerie, Draco, je t'ai pas dit. Les gars, je vais vous dire un truc. En fait, l'autre jour, c'est pas, je vais chez les Safe Side pour récupérer mon téléphone. Tu vois, je porte mes couilles, je leur dis, les gars, maintenant, celui qui veut se battre, on se bat.
Et t'as vu, ils m'ont attrapé, ils m'ont fait faire le ménage dans leur appartement, et ils m'ont fait faire cuisiner. Et ils m'ont pris en vidéo et tout, ils m'ont humilié. Je vous jure, c'est vrai. Et genre, ils m'ont dit, et je leur ai dit, ouais, je vous êtes sérieux, moi je suis petit frère de Draco, m'humiliez pas, il va vous niquer. Il m'a dit, pas les couilles, Draco, la salope et tout. Qui t'a dit ça? Les Safeside, yo. T'as vu ces grosses putes rondo? Ils m'ont fait faire tout le ménage dans leur appart et tout. Yo man, j'étais une salope, ils m'ont mis en slip et tout. Je devais m'amener avec des plateaux et tout. Ils ont rendu une arme, sinon on leur déclarait la guerre. Et ils font les grossistes maintenant. Oh, comment je vais propager ça sur tous les réseaux sociaux? Ils sont morts. Propage fortement sur... Eh vas-y, je m'arrache. Il m'a ratio. Je vois tout le monde, j'en ai rien à foutre. Il m'a ratio, ce fils de pute. Ouais, tranquille ou quoi? Attends, il est sorti Salvatore. Faut que je fasse un contre-ratio avec les Hoover après. Je vais faire un contre-ratio. Vas-y, faut tirer sur qui là? Vas-y, c'est quoi l'embrouille? Vas-y, attends. Attends. Tu connais? Je vais me cagouler. Vas-y, parce que là, les gens ils font des malins là. Vas-y, qui fait le malin là? Vas-y, dépêchez-vous avec les motos, yo. Viens, ta grand-mère, je t'ai dit, viens. C'est quoi l'embrouille là? Vas-y, commencez à vous bouger le cul là. Vous croyez mon frère il rigole? Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un strap là, venez. Les straps, allez-y, hein, bande de cons. C'est pas les seuls. Attends, mais. Mais ils font quoi là? Bougez. Voilà, c'est un hold-up summer. Bougez là. Arrachez-vous. Mais arrache-toi, bougez pas. Tu viens d'où toi? Northwood. Où? Tu viens de Northwood, sale pute de Northwood. L'ancien quartier des Yardies, j'habite là-bas juste. Sale pute. Et toi là le barbu? Je vais grave les insulter. Merci Clara DAME pour ton 9ème mois. Merci Skylight. Ouh, Kez, Northwood c'est grand. Ils habitent avec moi les gars. Ils habitent avec toi en plus, c'est pute. Pute de Northwood. Non, c'est quartier Yardi ça. Ouais, je suis une pute. Ouais, t'es carrément une pute de Northwood. T'es une pute là, c'est quoi ton nom? Moi c'est Swati, je m'appelle Isaac, c'est mon vrai prénom. Trisha, lève les mains, yo. Tu veux pas se mêler? J'ai les mains levées. Non, c'est ça le problème. Eh, le dis à personne, mais c'est ce qui t'a. Je m'en fous de tes amis, mon pote. Tu le dis à personne, hein, c'est une dinguerie là. Je suis personne. Je suis Swati. T-shirt blanc avec une grosse coupe de cheveux là, il a dû sortir par l'arrière. Ah, derrière, vas-y, venez, on va l'attraper derrière là. Vas-y, venez. Il est sorti où là? Oh non. Oh non, je vais l'attraper par le callback. Vas-y, venez. Grave, personne m'a suivi. Je suis le mec qui donne grave l'école de merde. Ça m'encule. Non, par contre, si je le trouve, en vrai, c'est un banger. Je le cherche. Merde. Ça m'encule. Mais attends, par contre, s'il commence à m'inclure sur des scènes illégales comme ça, je suis refait. Oh, j'ai trop envie de voler un véhicule pour ramener les flics, mais vas-y, je vais pas les niquer leur scène, ça se trouve ils font un truc stylé. Ta gueule, Lixi, ta gueule. Skittles en OG. Je vous le dis, je vais être OG. Scrap. Ouais. On va tuer Scrap. Je savais pas que c'était... Ferme ta gueule, je t'ai dit. Ah, pardon. Bon, je vais te parler franc avec toi, là. D'accord? C'est qui Kofi pour toi? Il m'a lâché. Ferme ta gueule. Oh putain. Mais moi j'aurais kiffé avoir dans mon gang un mec comme ça qui casse les couilles, comme ça il casse les couilles. Oui ou non? On l'a mis qui peut, mais en soi c'est pas non plus le plus grand. Tu vois, c'est un Rasta, c'est juste qu'il était dans la demeure et moi j'ai. Yo, c'est un Rasta trop stylé, il écoute Yannick Noah. Vas-y. Préviens les autres que c'est bon, on parle avec lui au parking à côté, s'il te plaît. Vas-y, attends, moi je vais prévenir les cops qu'on est là, j'arrive. Pourquoi il me nique pas? Ah mais merde! Ah ouais, non, je suis con! Eh ouais, non, merde, sinon ils vont nous arrêter, je suis con. Et ferme ta gueule! Aïe, ah, pardon! Aïe! Désolé, grand frère. Oui. J'étais posé à mon quartier, on a organisé une soirée. Il y a deux mecs qui sont passés, Kofi et un pote à lui. Ok, juste à là, tu captes le truc? Ouais, tu captes ou ils pas? Ils sont venus... Tranquillement, je t'ai dit ta gueule une fois, la deuxième fois je t'en mets une. Ah, une gros gifle dans ta bouche, okay, ça va faire très mal, Skittle. Désolé. Donc là tu recules, va derrière moi et laisse-moi parler avec ce Renoir là. Pardon Renoir. Merci petit frère. Je t'en prends tout. Les mecs sont passés au quartier, ils ont ouvert leur bouche en disant ouais je sais pas quoi, ils avaient un strap à la main. J'ai dit ranger ça, là, on est en train de s'amuser, on boit, on rigole. Les mecs ils sont arrivés,
2-3 minutes plus tard, ils ont tiré dans mon quartier. On les a descendus. Ils ont revendiqué Wu Gang. Le lendemain, je lui demande. Il me dit que c'est pas un mec de chez les Wu qui a fait ça. Je vais pas te mentir, moi je suis pas au courant qu'il y a un mec de chez moi là qui a tiré chez vous. Après, moi je peux leur parler, hein, parce que je vais pas te mentir là, j'étais 4 jours à Compton là. Ah, t'étais pas dans le coin? Non, non, j'étais pas. Attendez, il faut que je trouve des animations pour casser les couilles. Numéro. Merde, c'est pas ça. C'est Scrap, c'est ça? Ouais, c'est Scrap. Y'a pas des animations genre qui cassent les couilles? 5-5-5-75-37. T'as intérêt à tracer les noms, man. Je pense que je te tire dessus. En fait, c'est simple. C'est simple. Si c'est vous qui avez tiré, et on sait même pas pourquoi, tiens-moi informé, tu vois. Parce que là, bêtement, là, j'allais... Vous êtes toujours en bas, là, dans votre bloc à côté du pont, là, où ouais, vous avez bougé? C'est ça. Mais là. Ok. Donc à côté du Burger Shot. On s'était vu la dernière fois, tu m'avais dit comme quoi c'était bon. Sérieusement, les gars, vous pouvez enlever vos masques. On avait dit que c'était bon, etc. Vous étiez occupé à vous taper avec les 18. Jusqu'à là, pas de souci. Maintenant, là, les mecs, ils viennent tirer. Ils revendiquent que c'est votre gang. Il y a deux solutions. Soit c'est pas eux, soit c'est des gars de chez toi, ou cet enfoiré de Kofi qui est passé, qui assume pas les trucs, tu vois. Et là, il y a un souci, là. Parce que... Ça, on avait parlé, on avait dit qu'on sortait pas les fers comme ça pour rien. Donc moi, je vais voir ça. De mon côté, si c'est fait, je vais régler le souci. Si ça n'a pas été fait, je te dis. Ouais, règle le souci rapidement, ouais. Moi, je veux juste savoir où on en est, tu vois. Nous, on n'est pas des putes, nous, on fait un truc, on tire, on revendique, et au-delà de revendiquer, même on affiche bien sur Twitter. Mais là, dans les fers au noir, s'il y a un bif, faut me le dire maintenant, tu vois. Faut se mettre d'accord sur un truc. C'est ce que je te dis depuis le début, hein. Chaque fois qu'il y avait un truc, je t'aurais dit, là, je sais vraiment pas, donc je vais régler le souci, je vais voir, et je te dis s'il y a un bif ou pas. Vas-y. Je vois pas pourquoi ils auraient tiré non plus, tu vois. Bah moi je me pose bien les questions. Bah comme t'as dit, c'est des anciens yardies. Et je vais pas te mentir, on leur a fait des choses pas très catholiques à ces enfoirés. Ils voulaient faire les malins avec nous, comme quand... Sur l'accueil, Bah en vrai j'ai du flow. Tu lui touches le lobe comme ça là, laisse-le tranquille. Mais yo, il a des sales lobes poilus, man, c'est une dinguerie. T'as des lobes poilus? Ouais, je te jure, il a des lobes poilus, c'est une dinguerie. Des poils dans les oreilles, qu'est-ce qu'il raconte? T'as des poils dans les oreilles, sa mère! Tu dégoûtes! Je vais grave choquer toi! Moi. C'est pas gang ce que tu fais, ouais, fuck, recule! Ouais, pardon, non mais c'est mon gun, il touche le l'oreille, la soulève. Donc tu feras ça, yo? Ouais, malheureusement. Qu'est-ce que je t'en train de te dire du coup, Scrap? Dans les faits, tu me tiens au courant, mon téléphone il reste toujours chargé, open. Si tu vois que je réponds pas, tu m'envoies un message. Moi je veux qu'on soit réglé sur ça. Et ton Audi, c'est qui? Il existe même ton Audi? Allô. Ah, c'est un fantôme ou c'est... Ouais, c'est vraiment un fantôme, yo. Ah, c'est les deux. Ça veut dire quoi, ça? Bah, c'est les deux, mon gars. C'est un fantôme, c'est son prénom en même temps. Ah ouais, c'est réel, quoi. Mais tranquille, bon, je m'occupe de ça. Vas-y, je te laisse jurer. Et on s'arrache. Ouais, mais refais pas le malin, hein. Parce que la prochaine fois, c'est à moi de t'en refaire, hein. Vas-y, mon gars. Pas de malin, yo. Ouais. Baisse les yeux, connard. Putain. Et ta mère. T'as une grande gueule. Yo, mais maintenant, en fait, t'as capté, je suis un gangste. Ça veut dire, en mode, quand je suis devant lui, je vais pas perdre mes couilles, je vais lui dire les choses franchement. C'est quoi, Bernie? On dirait on a un MC, c'est une dingue. Ça vous prend genre 2-3 minutes et t'as capté, ça... Si vous êtes pas sub, moi, ça m'est bien. Ah ouais, je suis prêt, les refs. Qu'est-ce qui... Oh là là. Eh hey, toi tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais yo, t'es sérieux frère? Tu me dis on va faire un truc dangereux, yo, je me suis sapé, c'est bon. Ouais, tu t'as mis des 50. Attends, je vais aller voir Draco. Non, reviens. Allez man, je suis prêt pour y aller là, reviens, c'est là, bon. Reviens là. Ok, pardon. Reste là-bas avec ton grand cousin 2 secondes. Qu'est-ce que tu nous fais man? Qu'est-ce qu'il y a? Mais maintenant on a du flow, t'as le seum ou quoi? Attends, je pose mon casque sur la moto. En fait, faut que je te parle en quelle langue? Faut que je te dise qu'en quelle langue qu'on va. Tu vas fabriquer du produit chimique. Du produit chimique? Produit chimique. Yo, comme en cours, mais non, ça y est, moi comme je suis. Cours. Elle me cassait les couilles, la prof de physique chimie. Goûte, ouais, mais non, pas, m'a saoulé la prof. Bah ouais, bah là, tu dois mettre des gants qui sont. Mais venez, voilà, on va faire de la gueudro dans ce cas-là, c'est beaucoup plus rentable, vous êtes con ou mais quoi? Mais espèce de connard, on va faire des plaquettes de crack pour que derrière ce soit full. Yo, des plaquettes de crack, et genre, vous les m'emmenez moi? Maintenant oui, sa mère, je remets mon casque. C'est parti, la vie de ma mère, je suis prêt. Va te mettre des bons gants. Attends, je mets mes lunettes. Mets des gants en latex, mets des chaussures imperméables. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'attire pas l'attention, frère, je suis grave discret. Mais on dirait Darius, t'es en train de faire une dinguerie là. Darius, yo, grave pas. Le frère Adrico, ça yo. Ouais, c'est frère Adrico.
en train de faire de la merde là, va te changer, va. Draco, Draco, je suis prêt, viens. On va faire de la... Draco, Draco, ton frère, il... Je suis prêt, yo, j'avais pas capté, moi. La texte, regarde comment ça s'appelle. Je dirais, il va faire une charge à la R6. Je crois qu'on va pas le prendre, là. On va faire de la... Je vais tirer dessus. Quoi? Je vais tirer dessus. Je vais tirer dessus. Tu fais quoi avec ça? Mais genre, vous m'avez dit c'est dangereux, moi je me suis mis en mode dangereux. Gants latex, gants latex, 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 latex. Ah merde, ok, désolé, je vais changer les gants alors, j'arrive, c'est bon, putain, je savais pas. Putain, si c'est juste les gants, faut le dire directement quoi. On dirait, je te jure, il est en front lane, c'est dingue. Ouais, je te jure. Mais t'es trop moche, Alvar, à de juger les autres. Mais get ton flow, j'ai envie de te terminer ta race, toi, t'es fou, gros. Vas-y, dites-moi ce que je dois mettre, vas-y, dites-moi concrètement, parce que là, en fait, vous voulez pas parler américain avec moi. Vas-y, dites-moi les choses clairement au lieu d'être hypocrite. Imperméable, latex et masque, comme si t'avais le Covid, t'as capté? Masque comme si j'avais le Covid, ok, vas-y. Mais là, là, c'est bon, si j'ai le Covid, j'avais des masques comme ça à l'époque. Les masques d'hôpital. Et ta paire aussi, ta paire. Ouais, voilà, masque d'hôpital, exactement, voilà. Déjà, mets ta paire de catcheur là, va la changer, va mettre une paire normale. C'est la paire, elle est signée par Rey Mysterio, les gars, c'est sérieux. Ah là, t'as le bid à Rey Mysterio, toi, Salva, trop du cul, va. Ah putain, la petite paire rose, en fait, c'est le marron, marron, noir et rose, j'ai juré, c'est un bon assortiment de couleurs. Yo! Ah! Aïe! Sa mère! Qu'est-ce que t'as fait, toi, putain, qu'est-ce que t'as fait? Putain, yo, j'ai fait un stunt, man! Yo, tonton, ça va ou quoi? Yo, par contre, tonton, faut vraiment arrêter de mettre des jeans slim comme ça, ils sont pas de serré. Toi, déjà, viens ici là, viens sur le trottoir là. Non, pardon. Ça, c'est pour écoute-moi, mon petit. Yo, mais faut que je te parle vraiment sérieusement, tonton, écoute-moi. C'est la merde. Ouais. La prochaine fois que tu m'appelles, man, je te mets. Aïe, coup de poing. Ah, c'est bon, désolé. T'as compris, désolé. C'est bon? Ouais, désolé, man. Mais tu continues. Aïe, ah pardon, mais c'est bon, désolé, c'est un réflexe. Mais c'est un réflexe, man. Aïe, arrête, man. Man, yo. Arrête de m'appeler man comme ça, je suis pas ton petit. Tu vas respecter les vieux. La prochaine fois, je te mets coup de canne, hein. Tu as compris comme ça, ta tête de... Je m'excuse, tonton. Ok. Mais faut que je te raconte, man, il m'est arrivé une dinguerie. Putain, continue, papito, je vais t'inquiéter au nom de Dieu. Quand il m'a même manqué de respect comme si j'étais racaille comme toi comme ça. Tu vas voir, je vais te chicoter tellement fort, tu vas saigner des fesses là, tu vas voir comment. Non, c'est bon? Non, pas les fesses, tonton, arrête. Si l'oignon comme ça, tu vas voir, ça devenir chou-fleur. Mais okay. Non, yo, je suis désolé, tonton. Mais non, mais moi, rose, là. Mais il m'est arrivé une dinguerie, tonton, yo, faut que je te raconte là. Ouais, dis-moi. En gros. Ah ouais, mais attends, je suis dans la merde. Non, en gros, regarde, t'as vu, j'habitais chez ma mère. Ouais. Et tu sais, ma mère, elle a viré Draco de la maison parce que ouais. Ça sentait l'herbe et je sais pas quoi. Il baisait des meufs et il faisait des bandits. Il faisait la racaille. Non, c'est haram ça. Ben ouais, ouais. Mais genre, il faisait le bandit et tout. Du coup, ma mère, elle l'a viré de la maison et elle m'a dit: heureusement que tu es là, mon fils. Ouais. En parlant de moi. Mais le problème, c'est que moi, t'as vu, je traînais avec mes potes marseillais là. Et ils m'ont dit de cacher un truc sous mon lit. Genre, c'était des vêtements d'hiver parce que là, c'est l'été, tu vois. Donc, fallait cacher les vêtements d'hiver. Et pareil, moi j'ai caché mes vêtements d'hiver sous mon lit, sauf que ma mère allait tomber dessus, yo. Et du coup, ma mère, bah, elle m'a dit qu'elle voulait plus de moi. Et genre, elle m'a dit: c'est mort, t'es plus mon fils, je vais déménager de ce quartier. Donc là, t'as vu, elle m'a dit elle est en train de faire les cartons et tout. Elle veut même pas me parler. J'envoie des messages, elle met que des vents. Et genre, elle m'a dit: elle veut déménager du quartier. Et elle m'a dit: c'est fini. Genre, elle m'a dit: je veux plus entendre parler de vous, vous êtes plus mes fils et tout. Et tati est fâché comme ça, hein. Et... Mais en fait, tonton, fallait que je te dise un truc. Ouais. C'est pas des vêtements d'hiver que j'ai cachés, mais je peux pas te dire c'est quoi, sinon tu vas me niquer. Attends, papito, tu t'es mis encore dans quelle histoire là? Non, mais t'inquiète, c'était des vêtements pas d'hiver, genre c'était des vêtements. Dans quelle histoire tu t'es mis encore? Ce qui t'est là? C'était des vêtements, c'était pas du tissu quoi. Regarde-moi. Quoi? Regarde-moi dans les yeux là, avec tes yeux là, un qui joue bien, l'autre qui compte les points comme ça. Quoi, mais... Tu t'es mis dans quelle histoire, ce qui t'est là encore? Mais yo man, j'ai juste caché un truc pour un. Tonton, j'ai juste caché un truc pour un pote. Cacher quoi maintenant? Yo, bah rien. Ce qui t'aide, au nom de Dieu, je vais te mettre coup de canne si tu ne me dis pas ce que tu as caché. Bah c'était du shit, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'est quoi ça, shit quoi? C'est un truc pour fumer. Et... Au nom de Dieu, tu as vendu de drogue là? Non, j'ai pas vendu, j'ai juste caché, man. T'as caché de drogue comme ça? Eh papito, Draco il est au courant comme ça? Bah ouais, je viens de lui dire, mais il s'en fout. Attends, non, les calculs sont pas bons, hein. Les calculs sont pas bons, hein. Draco, t'as rien dit comme ça. Mais je sais pas, man, parce qu'il a plein de trucs à faire.
Eh, venez, on va au mariage de mon meilleur ami. Attends, toi, tu vas aller nulle part comme ça. Je vais t'attraper, là, je vais te chicoter. Tu pourras même pas t'asseoir au mariage. T'as compris comment? Mais je suis désolé, tonton, j'ai voulu aider un pote. Tiens, attends ça, Douglas. Là, papito. Douglas, oh, le nom de merde, il s'appelle Douglas. Alors, toi, je vais te mettre une calotte, tu vois. Quoi? Ah, en plus, il a une queue de cheval. Oh non, je suis mort. Non, quoi, au nom de Dieu. Dire un buisson. Ah ouais, pardon. Lève ta capiche, là. Mais yo, mais... casquette, là. Quoi? Voilà, regarde. Los Palmos, on dit quoi? Mais yo, mais en fait, c'est les coiffeurs. Ils ont raté ma coupe. Ils m'ont dit, ils vont me la refaire gratos, là. C'est bon, t'inquiète. Mais attends, t'as des 7 ans comme ça. Draco, là, il t'a dit, il y avait pas de soucis pour la drogue. Mais là. Non, en fait, il était occupé. Je lui ai dit, il a pas trop calculé. Genre, il est parti faire autre chose. Attends, on va faire réunion avec Draco, là. Je vais venir comme ça. Mais tu le problème, là, c'est vraiment maman. Elle veut partir du quartier. Elle a dit, vous êtes plus mes filles. Je veux plus entendre parler de vous et tout. Ouais, je vais l'appeler, Tati, comme yo, ça, elle doit être fâchée, ta grossière, comme ça. Ça va et vous? Ouais, tranquille. Eh, hey, tu veux toujours ce que tu m'as demandé par message tout à l'heure? Ouais. Bonsoir, madame. Vas-y, vous voulez quoi par ça. Message que vous avez demandé à Skittles? Elle m'a demandé de l'Oasis. Vous avez demandé quoi comme service, madame? Ça va, Habib, ou quoi? Attention, parce que là, je suis énervé, là. Vous voyez ma canne comme ça, attention, je chicote, hein. Pourquoi vous êtes énervé? Parce que Skittles, il fait des bêtises. Dites-moi ce qu'il vous a dit par message. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché des vêtements d'hiver. Cacher des vêtements d'hiver, mais yo, sous le lit de ma mère, elle veut pas que je cache des vêtements. Et du coup, ouais. Sa mère, elle veut le renier. Et du coup, ma mère, madame, elle veut que je traîne au quartier. Qu'est-ce que vous avez demandé à Skittles par message? Mais vous voyez bien que je suis flic, vous voulez que je lui demande quoi? Qu'est-ce que vous avez demandé à mon petit-fils? De l'oasis. De l'oasis, je vous en donnerai. Maintenant, partez, madame. Ça va, ce matin. Avec votre mais non, mais t'inquiète, tonton, elle est gentille, c'est le sang. Franchement, je te jure, poupette, elle est cool. C'est quoi? On est copains. Ouais, genre, c'est ma pote. Mais attends, là, avec ce que tu viens de me dire, tu es con... Non, faut pas lui dire, tonton, sinon je vais aller en prison. Ouais. Bah, c'est peut-être ce que tu mérites, non? Yo, non, t'es sérieux, tonton? Non, c'est un bon garçon. Ouais, madame, arrêtez de dire des bêtises comme ça, papito. Je te jure, j'ai même pas de casier judiciaire. C'est vrai, ça? C'est mensonge, là, ou comment? Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Oh, madame, si vous avez problème comme ça avec Skittles, vous m'appelez, hein. Vous inquiétez pas, c'est transformant maltaisé. Il me pose pas de problème, au contraire, je lui demande des services, il me les rend avec plaisir. Exactement, moi je suis gravement gentil. Mais quel genre de service, madame? Bon, à toutes sortes, hein. Que ce soit. L'autre fois j'étais en panne. Mais grave pas, yo, elle a 48 ans. J'étais en panne, il m'a aidé, hein. Bah, alors, oui, c'est bien, mon petit, hein. Non, l'autre jour j'ai lavé sa voiture, l'autre jour. Je suis allé lui acheter là, ses lunettes en couilles de chameau là, je suis allé lui acheter. Enfin, il m'a même mis du vernis sur les pieds. Yo, non, carrément faux ça. Eh, papito, tu es fétichiste ou comment? Je suis pas fétichiste, yo, c'est pieds puants là. C'est pas vrai, j'ai juste fait mais ça pour l'argent. Skittles. Moi j'ai 17 ans et toi? Et vous avez quel âge, madame l'agent? 27 ans, mais c'est un pote, hein. Yo, le pointeur. C'est un pote, ouais, pour combien de temps? Donc là, madame, moi je sors pas avec les petits jeunes de 17 ans. Yo, t'es carrément une pointeuse, hein. Pas du tout. Mais non, mais je te jure, elle a jamais essayé de me guider, même moi. Et moi, Skittles, est-ce qu'elle a essayé de toucher ton pipi? Mais grave pas, man, moi tu connais, j'ai plein de meufs, tu connais. Vous êtes fou ou quoi? Moi j'ai plein de meufs, les man, j'ai pas besoin de ça. Vous voulez pas dire ce que vous lui demandez par SMS et Oasis, ça semble très fort un nom de code. Mais en fait, on a trop d'avoir des secrets, c'est comment là? Regarde, tonton, y'a la meuf que tu veux pêcher en face. C'est comment quoi? C'est pour une enquête, d'accord? Alors ça ne vous regarde pas. Quoi? Madame, enquête sur moi déjà, madame. Quand vous voulez parler à mon petit-fils comme ça, vous le convoquez au commissariat, madame. Yo, la meuf que tonton veut pécho, ça va ou quoi? Ça va et toi, Skittles? Ouais, tranquille, tranquille. Il est là, il m'engueule. T'entends ce qu'elle raconte, Amadou? Bah, je me fais daronner de l'appartement. Ouais. Elle a dit qu'elle veut y mettre des coups de rein pour une enquête. Quoi? C'est bizarre. C'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Eh, papito. Salut. Eh, tonton, viens voir le mariage de mon meilleur ami, là, yo. Je peux pas louper ça. Ouais, ça va, tranquille, hein. Là, y'a problème, là, mais c'est bon. T'inquiète, viens régler ça après, tonton. On va voir ça bientôt, hein, t'inquiète pas, je vais te rattraper toi, tu vas voir. T'as une voiture ou pas, tonton? Ouais, j'ai une voiture, mais faut que j'aille la faire réparer. Vas-y, ben rejoignez-moi au mariage, les man, on se voit après. Le mariage de qui? J'arrive, c'est le mariage de mon pote Lamar, yo. Allez, bonne soirée, mesdames. A toutes, hey, tonton, tu m'en veux? Moi, je te conseillerais d'avancer avant qu'il foute une plaque. Tonton? Ouais. Tu m'en veux? Bah un petit peu, tu fais des bêtises comme ça, et Draco il te laisse faire comme ça, ce n'est pas bien, hein. Mais je vais arrêter les bêtises, mais c'est juste, j'ai pas envie que ma mère elle déménage du quartier, après moi j'habite où? Je vais l'appeler Tati là, t'inquiète pas, si elle te met vraiment dehors comme ça et qu'elle veut vraiment partir parce que tu fais trop de bêtises avec ta tête là, ne t'inquiète pas, je vais pas te laisser à l'arrière. Ok, ça marche, merci tonton. Okay. Vas-y, je t'appelle tout à l'heure, on fait un truc, ouais. Bisous. Jure tes dents.
Yo, c'est Salva, ça? Ouais, ouais, c'est moi, c'est moi. Comment t'es trop moche, sa mère? Tu travailles ici? Attends, là. Ouais, ouais, je travaille, je travaille. Mais attends, mais c'est Draco, il m'a dit de venir. T'es sur le toit? Ouais. Attends. Je te jure, j'ai rien, fouille-moi, ça, si tu veux. Oh, là, vas-y, rentre. Trop de balles. Je vais te niquer, je vais te niquer ce qui te faisait, casse-toi. Ah, mais c'est l'after du mariage. Ok, putain, c'est grand ici, frère. Wouh, grosse soirée, let's go. Yo, c'est trop lourd. Friday then. Wouh. Lourd. Nanana. Je m'appelle quoi, Draco? Je m'appelle Superstar. Yo, yo DJ Superstar, vous allez bien? Yo mec, exactement, ça va super bien. J'ai trouvé un super micro qui me permet en fait de modifier ma voix. Et ça, j'adore. Lourd, DJ Superstar, trop lourd la soirée. J'aime bien de vous. Attends, ils sont en train de... En fait, je crois qu'il y a un rendez-vous là-haut, ils sont en train de l'espionner, non? Je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Prépare-toi! Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est trop stylé. Yo, lourd. Ouh, trop lourd, sa mère. Ouais, ouais, trop lourd. And Friday then. And Friday then. Ça va super. Allô. Ce soir, mon ami. Ouais, viens au quartier, ce qui t'a. Pourquoi? Viens me faire rire. Mais tu crois que je suis Baggy le clown, fils de pute, nique ta mère. Moi, je suis en train de faire mes bails, moi, c'est bon. Vous m'avez... Non, mais vous avez voulu rester avec moi. Arrête de faire le mec qui fait des bails, tu fais rien du tout, gros paillot. Hein. Mais là, je te jure, tu sais viens quoi. Viens au quartier, je t'ai dit. Viens au quartier. Je vais pas venir au quartier, je fais grave des bails pendant que tu t'ennuies sur ta chaise pliante, trou du cul, va. T'as voulu faire le raciste avec moi, tu veux pas me faire confiance? Moi je suis dans les vrais bails, moi je suis dans les jazz. Allez, baisse ta mère, ben, baisse ta mère, trop c'est bon. Non, ben, mort, nique ta mère, Grégo Fusée, moi je suis en club là. Je suis en club, y'a trop de musique, j'entends rien. Oh sa mère. Tu veux quoi? J'ai pas fini. Demain, on va en 1000 quand ça casse. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, gros paillot. Demain, on est mercredi, c'est fermé. Ferme-la, trop de knam, mort. C'est trop, frère. On va faire la soirée qu'entre nous, c'est super. Ouh, ça tue sa mère. Enfin bon, j'arrête les conneries, faire ce que je dis. Ah mais attends, mais c'est vraiment pas une soirée. Non, je attends. Ouais. Si tu veux, je suis pas vraiment un gangster. Quoi? Je suis un triple agent du EAA. C'est quoi ça? C'est une organisation. Ah, EA Sports, extrême. C'est le game. Vrr, ah ouais. Exactement, bah viens, je te montre ce qu'on a. Viens. Quoi? Yo, t'as quoi? Regarde. Yo, c'est quoi cette dinguerie là? Y'a de l'alcool et de la drogue. Rondo, montre le joujou. Quoi? Aga. Mais c'est pas Rondo, sale menteur. Et en plus, c'est de la fake.
Yo, c'est vraiment Rando. Mais comme... What? Mais comment t'as eu ça, man? Bah, man, j'ai des contacts. J'ai dit, on est une organisation. En fait, les Hoover, on est plus comme avant, tu vois. On a step up. Là, tu vois, après ça, on va tuer tous les mecs d'H-Block. Mais arrêtez de mentir, mais vous êtes grave des menteurs. Skittles, t'es au courant de rien, t'as raté pas mal de choses ces temps-ci. Tu vois pas, on a ramené des trucs de militaires ici. Mais yo, c'est un plan. Comment t'as fait? Et en plus, y'en a vraiment la félone et ta voiture ici. Ouais. Mais non, mais dis-moi pour de vrai ce que tu veux faire, j'y crois même pas. Skittles. Moins t'en sais, mieux c'est pour nous, je te jure, Skittles. C'est clair. Mais je dirais jamais rien, vous croyez que je suis une Pookie ou quoi? Oui. Quoi? Yo, moi, une Pookie? Demande à mes potes si je suis une Pookie, tu vas voir la réponse que tu vas te prendre. Écoute, comme je te dis dans les faits, ça va partir en couille. Là, ton but à toi, c'est de les tenir tous en laisse. Tu captes? Ça veut dire que les gens qui vont venir, ça va être la fête, la soirée, la bamba, la bambi, bim, bam, 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 bam. Je vais te baiser, gros. Viens, Chimera, t'inquiète, viens, c'est la meilleure soirée. Je vais essayer. Prends-moi en photo. Oh, sa mère. Attends, moi aussi, je te mets sur Twitter. Est-ce que t'entends? Non, 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 non. Mais si, t'inquiète. Arrête. Ah ouais, non, c'est bon, je te mets pas sur Twitter, je te mets pas sur Twitter. C'est bon, je prends juste pour moi ma photo personnelle. Non, mais me prends pas en photo, moi. Wouah, t'es trop beau, Rondo, je te mange la bite. Ouais, alors peut-être je suis allé un peu loin. Yo. Mais genre, vous allez prendre... Attends, je vais appeler les flics, yo, ça va être lourd. Il m'a dit de l'allumer, t'as vu. Mais attends. Oh, j'ai la même cagoule que toi. Regarde. Ça fait ce bruit. On a la même cagoule que toi. Ah, mais les gars, y'a personne qui rentre à l'intérieur, là? Non, y'a Salvador. Oh non, y'a pas One à votre soirée. Mais venez, Evno, on nique le Chimera, là, ça y est, ils m'ont cassé les couilles. Tu sais, je croyais y avait une perceuse qui a répondu. Mais c'est pas, attends, mais tu veux faire quoi, Draco? Tu veux prendre tout le monde en otage? Viens, Rondo, tu rentres avec toi. C'est pas moi, en fait, c'est pour le compte d'un état autre que celui américain. Hein? Ah putain, c'est trop, tellement long à expliquer, ça me prendra au moins deux heures. Mais arrêtez de mentir, yo, vas-y, dites-moi la vérité, là, vous en avez marre, je suis tout le temps le petit à qui on cache tout, là, arrêtez de me cacher les trucs. Ouais, ouais. Venez, y'a des gens, là. Oh putain, bon, retourne en opposition. En opposition? Eh, attache-toi là, c'est... Yo, vas-y, dis-moi, s'il te plaît, Rondo, t'es mon cousin, yo, je dirais rien, je dirais pas que tu m'as dit. De toute façon, regarde, je vais te le dire, si tu baves, t'es... Man, tu me tues, c'est bon, je te jure, tu me tues, je me laisse mourir. On a une mission à faire pour le compte de quelqu'un, et là, le but, c'est de faire une prise d'otage sur le LCPJ complet. Yo, genre, tous les flics, ils vont venir là? Genre, tous les flics, ils vont être là. Le but, c'est de prendre tous les otages du Chimera, c'est une soirée privée avec toutes les grosses têtes, là, les plus riches de la ville. Ouais. On va les repaquer, oh, on va les prendre en otage. Et ceux qui nous ont mandaté, ils ont un bête de bif avec les 5-0. Et ouais. Il a dit, je t'ai mis des sacs de sable au cas où si ça allume. Mais yo, mais ils t'ont filé cette arme. Et ils m'ont filé cette arme. Mais c'est des baisers, sa mère. Mais attends, mais c'est qui les man? C'est les mecs qui sont venus dans le quartier tout à l'heure? Ça, mon gars, moins t'en sais, mieux c'est. Au moins, tu auras pas l'info. Mais s'il te plaît, dis-moi, je te jure, la vie de ma mère, je le dis à personne. Tu vendrais ta mère pour un lingot d'or ou pas? Non. Pour deux? Non. Une vingtaine? Je réfléchis, okay. Mais je dis non quand même. Ok, ça marche. C'est Tu les as pas encore croisés, toi? Ils sont pas venus au quartier? Non, moi je les connais pas. En fait, si tu veux, même moi je connais pas leur nom parce qu'ils le disent pas tant qu'on fait pas d'affaires avec eux pour l'instant. Et là, c'est la mission de confiance en mode. Genre, c'est quoi? C'est des latinos? C'est quoi? C'est des renoms? Non, c'est des gens normaux. Des américains. Comment ça, des gens normaux? Tu veux dire qu'on est pas normaux? Bon, c'est vrai qu'ils sont, ils sont racistes, du coup. Tu crois que je suis normal si je tiens une arme comme ça? Tu crois que je suis. Ah, c'est vrai, je suis même pas formé à tenir moi. J'ai rien, même moi. Mais regarde, si tu vois le bruit que ça fait, on dirait une perceuse. Ouais, j'avoue, ça fait peur. Vas-y, Rondo, mon cousin, t'inquiète, moi, toi, tu peux me faire confiance, man. Moi, tu peux tout me dire. Et je te jure, je suis pas une cookie. Par contre, attends, je vais appeler. T'as pété ma bécane et tu veux que je te fasse. Mais ouais, man, c'est ce qui nous a rapprochés. C'est un événement, tu vois. On va jamais l'oublier, toi et moi, cet événement. Attends, j'appelle une flic, je vais lui dire de venir. Non? Arrête, raccroche. Ah, pardon. Attends, mais j'ai cru que tu voulais que je lui dise de venir. Tu dis pas de venir. Le but, c'est qu'ils viennent, mais qu'ils soient pas là avant. Faut qu'ils soient là après. Comment ça, après? Mais on va les mettre, les gens, on va les mettre au milieu, on va tirer en l'air pour faire un appel aux cops. Et c'est là où. Ah, et en gros, les cops, ils vont rentrer. Et quand vous allez rentrer, c'est pour l'entendre les flics. Yo, sa mère, c'est une dinguerie! Mais yo, mais t'as vu comment ça résonne ici? Oui. Oh, ça résonne de baiser, yo, dans la salle. Je crois que c'est un hangar de fou. Dinguerie!
Bon, c'est quoi, t'es un over toi au lieu de faire le... Mais t'inquiète, hey man, là je deviens une moula, yo, t'inquiète. Là vous pouvez me faire confiance, t'inquiète, je vais gérer le plan, vas-y, je vais gérer les civils, t'inquiète. Gère et fais ce que Draco dit. T'inquiète, mais j'ai géré ta sœur aussi l'autre jour. $10,000 à gagner lors de la soirée pour le meilleur danseur qui sera jugé par moi. Yo, $10,000. La 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 la. J'ai une préférence pour les garçons. J'aime pas trop les femmes, j'aime plutôt les caleçons. Désolé, je voulais vous le dire. On les assume, les gars. Je suis pas trop charismé, plus Angèle. J'ai fait une rime sans le vouloir, la vie de ma mère. Allez, je me mets en slip, ça y est. Oh, ya ya. La 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 la. Midsommar. Yo. Ah, rabis-toi. Yo, nique sa mère, les amis. Rends-moi seul, c'est comment? Tu vois, je suis en train de parler avec ma gadji, t'as vu, je parle de hype. Ah, je suis bourré, sa mère, je suis trop bourré. Je suis trop bourré, j'ai vu ce que je fais. Jordan, je te regarde en secret sous la douche. Sur ta chaise pliante, t'es vraiment trop beau. Yo, moi je chibre le collègue, je fais comment moi? Vas-y, mettez du gros son là, du carré, ça y est, nique sa mère! Ouais, ça va toi, man? Alors, depuis tout à l'heure, je te parle, tout à l'heure, tu me réponds pas, je t'en jure. Et moi, elle vient me parler, trop truc d'un man. Bah ouais, écoute, non. Pas de bagarre sur la fille, je veux voir danser, madame, pourquoi vous êtes assis? Je veux voir bouger. Vas-y, viens danser. DJ Superstar, sa mère, il est trop beau. Je lui mange le zizis. Ok, on a un danseur, allez, 30 minutes de la gagner, mesdames et messieurs. Comment j'ai fait déjà pour me give des armes? C'est toi, t'es pas prêt. En fait, je veux juste me prendre un extincteur pour me foutre la merde. Attention. Tout le monde sur la danse, tout le monde sur la piste de danse, je veux voir une danse originale. Maintenant c'est parti, je vais commencer à juger le meilleur danseur. 30 000 dollars en cash à gagner. Let's go. Attends, qu'est-ce que je peux prendre pour toute la merde? Lance roquette, ouais, j'avoue, bonne idée. Oh là là, les gars, attends, je vais prendre ça en fait. Qui commence à monter, ça step up, ça step up. Je vais en prendre une, frère, pourquoi ça m'a dit? Juste pour ça, bah vous passez en fait deux listes parce que ouais, la vie elle est comme ça. Vive les femmes. Ah ouais. Vive les femmes et les hommes aussi, c'est cool. Voilà. Ouais, les gros chis, mon nom. Les BBC. Apprends tout de suite. Yo. Tout le monde au sol. Tranquille. Tout le monde au sol. Je suis carrément au sol. J'ai grave pas eu le temps. Dans le carré noir. Dans le carré noir. Yo, Nixon, au sol. Ok, c'est quoi ce bordel? Là maintenant, tout le monde va déposer son téléphone. Stronger. Okay, c'est bon, c'est déposé. Au sol, tout le monde. C'est déposé. Voilà, au sol. Ah,
Arrêtez la musique. Je veux passer, je vais prendre tous les téléphones. Putain. Ouais, ouais. Putain, tranquille, tranquille. Ouais, c'est bon, j'ai mis mon téléphone par terre. Bien. Tiens. Voilà. Prenez tous, je ramasse tous les téléphones, s'il vous plaît. D'accord. Qui fait un truc bizarre, il prend un coup. Tiens là-bas. Bien, rassemblez tout le monde sur la piste, silico presto, c'est compris. Je veux personne d'autre part. Fuck. Bien, Sergei, fais le groupe déjà. Oh, le téléphone, s'il vous plaît. Oh. Téléphone de la voiture. Voilà, viens là avec moi. Moi, toi, ah, tu viens avec moi. Voilà. Bien, ça va être incroyable. Je compte annoncer la personne qui souhaite se révéler. Je suis ici dans le coin. Et faire de la merde, dites-le moi maintenant. Oui, monsieur. J'achèverai vos pensées. Non, monsieur, quelqu'un on va mourir, faire oui, non. Voilà. Non, 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 frère. Yo, yo, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Non, viens avec là. Je vais plus jamais manger toi, viens avec moi. Moi. Bien. Sergei, commence à faire le groupe. Mais j'ai rien fait, moi. Écoutez, ceci est une prise d'otage à la bombe. Je suis désolé, Mando, de vous avoir dit de venir, je savais pas, yo. Bah, chaque fois, Skittles, quand t'es dans les parages, il se passe des dingueries. Je voulais juste faire une soirée, nous. Celui en vert, viens avec moi. Lève-toi. Qui? Contre le mur aussi. Toi. J'ai rien fait, monsieur. J'ai pas entendu. Toi, Skittles. Non, moi, vous faites erreur, je m'appelle Dragibus. Le mur. Levez-vous et dépêche-toi. Ok. Tu vas faire malin. Non, j'ai pas fait malin, moi, tout à l'heure. Ouais. Reste raide. Raid? Yo, comme ça. Fuck. Bien, retourne-toi. Oui. Ma question est en train de ton téléphone. Oh, mais c'est pas nice ça. Yo, tu vas pas faire ce que je pense. Écarte-toi, Sergei. Voilà, tu yo, tu fais quoi? Très bien. Oh, fuck. Oui. Ma ah, mais c'est quoi là? Aïe. Je vais accrocher la bombe à ce monsieur. Ma question est en train de faire. Quoi, c'est? Attends, vous êtes en train de faire sauter mon bâtiment. Yo, pas moi. Vous rien m'a pété. Skittles, non, yo, yo, s'il te plaît, s'il te plaît. Comment ça, la fermer, écouter les instructions. Yo, pas moi. Écoute, je vais faire une crise d'âme. Mais les gars, je sauvez-moi, yo. Ta gueule, Renoir, mets-toi à terre, putain. Mets-toi au sol, man, mets-toi au sol, man, on va pas te répéter. Mais yo, il m'a mis une bombe dans le dos, il m'a dit de pas me mettre au sol. Je veux pas creuser. Pourquoi? Ferme-la, c'est bon. Non, il y en a un qui me dit pas. Yo, les gars. Non. Yo, ça part en couille là. C'est. Je vais pas te mentir, pourquoi t'as choisi le milieu? Ouais, il y a une moto avec la fille aussi là. Oui. Tu pourrais pas décaler. Je vais avec ceux qui sont. Je vais sauver, ça marche. Ils ont pris mon pote Travis. Toi là. Non, s'il vous plaît. Avec la rousse contre le mur. Ok. Quel mur, monsieur? Celui-là. Celui-là. Monsieur. Un mouvement brusque, non, je vais l'énerver. Hein. Oh, mais si, moi je cours et elle est courte, on va pas tirer sur les là, deux. Là, je veux 4 personnes là. Arrête toi, de faire le malin, toi, toi et toi. Porte-moi pas à faire un. Il me lève. Levez-vous. Calme-toi. Contre le mur. Yo, mais s'il vous plaît, enlevez ce que j'ai dans le dos, j'ai carrément rien fait. Non, tu restes, tu te tais, toi. Putain. Non, y'a le flic devant, c'est très bon. Aussi, là, viens. Comment ça, c'est très bon? Bah non, yo, c'est la merde. Non, bah c'est oui, très bon, les flics c'est trop pour moi. Quoi? Celui en rouge, de la femme. Celui en ouais, c'est moi. Bien, Skittles, tu es le malin, ouais. Alors tu forces le responsable. D'accord. Non, mais s'il te plaît, yo, enlève-moi ça, j'ai rien fait. Skittles, ne transpire pas trop, sinon, beaucoup, boum boum. Quoi? Yo! Non, Skittles, ne meurs pas. Yo, je peux bouger, moi, je peux bouger d'à côté de lui, là. Niet! Sergei va faire le. Ok, on fait un vote, qui veut prendre la bombe à ma place? Force à toi. Mais yo, bande de bâtards. Mais yo, tant pis, c'est chacun oui, pour soi. Oui. Non, oui, pardon, pardon, monsieur. Pardon, monsieur Sergei. Pas de soucis, pas de soucis. Voilà, c'est ce que vous allez faire. C'est pas moi, c'est Caro. Ah, c'est quoi, toi? Ta gueule. Monsieur V, monsieur V. C'est ta gueule. Il y a la police qui est rentrée par derrière, il demande de négocier devant. Alors là, je vais le voir. Mais yo, mais aidez-moi, les man, vous êtes sérieux là, m'abandonner, je vais mourir. Au milieu, à coupé. Oh, tu nous as mis dans un bobby là, Skittles. Mais je crois que je savais ou quoi, yo? Moi, je voulais juste faire une soirée avec de la grégouze. Il va se passer des choses qui vont vous choquer. Oui, ils ont pas encore. Voilà là-bas. Si vous voulez pas y passer. T'as niqué ce qui t'a dit. Skittles, de venir, toi. Je vais me faire détester. Va au milieu. Écoute là, le crâne d'œuf là. Écoute-le. Ah, toi, tu vois la vécu là-bas là. Les femmes. Bien, les groupes sont faits, Sergei ou pas? Mais yo, mais s'il vous plaît, yo, libérez-moi! Ferme ta gueule! Je te paye ça, boy. Okay. Prends. Aidez. Putain, mais c'est la merde! Ah, bientôt. Il met les faux de chaque côté. Il y en a combien de groupes? 4. Tu voles avec. Ouais. Avec ceux là-bas.
Ah bah. C'est bien. Okay, maintenant que les gros sont faits, c'est bon, Sergei. Donc, vous êtes le groupe 1. Y'a combien de groupes, Sergei? Dis-moi. Y'en a 4. On est les premiers. 4 groupes. On va pas mourir, hein. Je veux un groupe à chaque côté du carré. Non, je veux pas mourir. Vous, vous restez là. Groupe le 2. Okay. Skikal, tu restes au milieu. Toi, tu restes là. Le groupe. Au coin du carré. Au coin, vous êtes au coin. Et le dernier groupe, je veux au coin du carré ici aussi. C'est le I. Chut, non, 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 n'attire pas l'attention sur nous, n'attire pas l'attention sur nous. Mettez-vous bien aligné là, mettez-vous bien aligné, essayez de vous aligner là. Sergei, venez ici. Je n'ai pas à faire des bons. Très bien, est-ce que tout le monde m'entend? Regardez le mur s'il vous plaît. Cachez-vous derrière ma tour. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Bon, alors, mais certains vieilles là, écoute ce qu'il dit. Putain! Regardez le son. Yo! Mais pourquoi moi là? J'ai rien fait! Oh, regardez la lumière, elle est sur moi! Wouh! Oh, t'es une superstar, ouais! Vous voyez une équipe, les gars? Vous voyez les équipes comment elles sont faites? Mettez-vous voilà. Pareil là! Mais y'a pas des mans de mon quartier, ils peuvent m'aider là par hasard! Là, tu vois? Oh non, pas de toi, restez avec votre quartier! Viens ici là! Restez bien en gros! Voilà! Élevez les bras! Tout va bien se passer! Si vous faites pas les coups! Vous vous laissez, comment vous dire, vous m'entendez tous? Oui, oui, oui. Vous m'entendez tous? Ouais, ouais, ouais. Va bien, toi, au milieu. Ça va? Prenez une flaque de pipi. Ben non, ça va pas, non, yo, ça va carrément pas. Si, si, t'inquiète pas, tu vas bien avec la bombe. Skittles, tu t'es pissé dessus? Bah ouais, je me suis pissé dessus, putain, ma paire, en plus, je vais te l'acheter, sa mère. Bon, ferme-la. Bon, les groupes. Vous pouvez être, comment vous dire? Vous allez pouvoir être libéré si vous répondez aux bonnes questions. Le premier groupe qui arrive à 10 bonnes réponses, il est libéré. Oh, il est... Oh, putain. Restez calme, restez calme, restez calme. Putain, on va crever, c'est fini. Restez calme. Appelle-moi. Je vais me pisser dessus. Yo. Écoutez les questions si vous voulez pas mourir. Parlez bien fort, si vous aimez. Il y a un quoi? Attendez. Cachez que mon médecin là. Non, écoutez, je suis dessus, j'en ai marre d'être une obsession. J'ai toutes les réponses. Bien sûr. Ah, vous êtes tous prêts ou quoi? Ouais, 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 ouais. Si d'accord. Donc, dans votre groupe, vous êtes réconciliés, vous êtes prêts à dire la bonne réponse. Vous avez. Comment vous dire, pas groupe, vous avez qu'une réponse à dire. D'accord. Donc faut pas gueuler. Hein. Je veux pas mourir. Petite question. Donc vous êtes prêts pour la première question ou pas? Est-ce que tu veux être sauvé toi? J'ai une question. Une petite question. Bah ouais, je veux être sauvé, yo. Pourquoi vous mettez là? J'ai rien fait. Tu, pourrais, tu répondras aussi, t'es groupe 5. Groupe 5? T'es tout seul. Oh. Donc si tu réponds bien à 10 bonnes questions, t'es libéré. Ok, ça marche. Si, dites-moi vos questions. Et on peut réfléchir en équipe? Non, vous réfléchissez en équipe. Okay. En tous les cas, vous avez qu'une seule fois la parole. Donc, première question. Quelle est la date de l'abolition? Fermez-la. Quelle est la date de l'abolition de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis? Je vous dis les réponses 1. 1820. Non, t'as pas de téléphone. Réponse 2. 1865, réponse 3, 1900, réponse 4, 1923. C'est quoi? Attendez les gars, je prends une réponse en parallèle là. C'est 1900. Ah bon, vous avez, la réponse à... C'est pas 1820. C'est quelqu'un qui vous a la réponse. Je sais pas combien. 65, non. Je pense que c'est la B, c'est la B. La B, c'est la B. Vous répétez, vous pouvez répéter. La B, la B, la B. Attendez, 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 attendez. Réponse B, vous dites. Il y a la 2. La deuxième. Bonne réponse. Un point pour l'équipe 4. Oh, tu veux participer ou pas toi? Ah mais c'est truc de rapidité. Mais yo, mais je sais même pas compter mes 10 doigts, man. Ah, faut dire en premier. Faut dire en premier. Taisez-vous tous. Si vous êtes ici aujourd'hui, et si vous avez une bombe sur le dos, c'est à cause de lui. Ah bon? Montez là-dessus. Qui, moi? Montez là-dessus. Ah non, lui. Lui. Ah. Yo, t'es sérieux, man? C'est à cause de toi là, j'ai une bombe dans le dos, bâtard.
Ah oui, ah bon. Attends, on va mourir à cause de lui là. Voilà le producteur qui est celui. Lieutenant 96. Vous avez arnaqué Vladimir. Vous n'avez pas donné les 5 lingots. Alors si on est ici aujourd'hui, c'est que je veux récupérer mes lingots. À cause de lui, 3 bébés sont morts explosés. Alors aujourd'hui, vous allez mourir de la même manière, mais pas en étant bébé. Écoute-moi bien, Vladimir. Si tu retournes le même move que la dernière fois, tu ressortiras pas d'ici. Les bébés, c'est quoi que les lingots. T'avais les lingots. T'as décidé, t'as rigolé. Ça fait mal, merci mon gars. Pas de lingots. Tu voulais les lingots. Exploser les nourrissons, alors que t'avais les lingots. On avait tout donné, et tu les as comme fait péter. Les agents dehors, ils savent très bien que quoi que vous fassiez, aussi vite vous allez comme tuer les otages, peu importe ce qui sera dit. Quoi? Quoi? C'est vous le chef. Quoi? Tue-moi, je t'empoisonne. Non, non, non. Aïe, 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 aïe. Oh putain. Silence. Fermez-la. D'accord. Vous savez, Vladimir, c'est un petit peu une partie 50-50 de vous contre moi, du coup. Là. 96, lieutenant. Oui. On va faire un truc. Ici, je vais jouer à tic-tac-boom. Vous connaissez le jeu de la bombe? Elle est ici. D'accord. Chaque groupe va passer la bombe dans chaque groupe. Et quand vous ferez une erreur, on explosera la bombe. Vous comprenez? Comment ça, une erreur? Ça va passer de groupe en groupe. Da. Très bien, lieutenant, venez. Dans tout cas, nous avons déjà commencé. Yo, moi, le jeu. Tant que j'ai plus la bombe, ça m'avance. Hein. Dans tout cas, réponds bien aux questions alors. Question? Mais yo, mais moi, je suis tout seul, ils sont 12 là, c'est grave la triche. Ah, on va voir si t'es plus intelligent qu'eux, non? Mais yo, moi, je suis carrément con. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question? Ouais. Ah, c'est parti. Il faut répondre en premier, levez la main en premier. Baissez les mains. C'est le premier qui lève le doigt en premier qui. Bien, Sergei. Ah. Juste préciser un truc. Ce monsieur fait la bombe, d'accord? Bah, il a encore la bombe. À nous, chaque mauvaise réponse de chaque groupe, le groupe possède la bombe. Ah, s'ils me disent faux, je leur donne la bombe, d'accord? Ah, si tu poses en groupe une question là à ce groupe 2 et qu'ils ont faux à leur réponse, alors ils ont la bombe. D'accord. Et quand je dis la bombe, c'est lui. Ok, lui il ira dans un groupe, d'accord. Non, c'est lui qui ira dans un groupe. Après, si tu poses la question à eux qu'ils ont faux, c'est eux qui auront la bombe. Mais s'ils ont vrai, tu comptabilises. Et le groupe qui aura vrai, ce sera le premier groupe que je libérerai. Les autres, je vous promets pas la vie. Ah. Putain, alors jouez bien. Moi, je vais négocier mes lingots d'or. Pareil. Je me suis fait virer. Putain, deux doigts touchés là-bas, on sera à l'université. On va continuer. J'ai fait quelques études, moi. Vous allez vous faire un petit passage de monsieur. Comment vous appelez? Monsieur la bombe. Ok, ok. Dans la bombe, vous êtes là ou quoi? Ouais, il a pas de nom. Bah oui, je suis là, yo, je suis là, mais je me chie dessus, yo. Moi, je prends pas ce qu'on le fait. Bah, arrête de te chier dessus, t'es juste une bombe. J'ai une question. Ouais, yo. Ah, bon, bah, ça va alors. Yeah, si, imaginons, on prend la bombe dans l'équipe. Oh, ça veut dire que t'es beau. Et c'est lui qui répond, mais il répond mauvais. Bah, il reste avec vous. Oh putain. J'ai pas compris. Donc, bon, c'est quoi? On fait une question par groupe. Vous avez une question, vous avez eu bon. Ah, maintenant, c'est au tour du groupe 1. Oh putain. Vous êtes prêts? Quand vous dites la réponse, c'est celui qui ouais. D'accord, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Quel pays asiatique a élu pour la première fois une femme présidente en 2012? Oh, merde. A. La Corée du Sud. B. La Thaïlande. C. La Chine. D. L'Inde. Ok, déjà, c'est pas la Chine. Je crois que c'est A. Toi, tu répondras pas aux questions. Non, je pense que c'est la Corée. Voilà. Parce que la Corée, c'est un pays ouvert. Réfléchissez bien. On va aller avec eux, s'ils ont faux. Avec les Ladybug. Thaïlande. Ah, je l'ai la réponse. Thaïlande. Ok, c'est bon. C'est pas notre. Non, il en revient la réponse. C'est la Corée du Sud. C'est pas vous de répondre. Vous êtes sûr? Oh, ouais. Arrêtez de me faire ouais, désolé, je me concentre, je crois. Moi, je suis persuadé que c'est la Corée du Sud. Bonne réponse. Oh putain. Donc, pour l'équipe 2, quel homme politique à l'origine de la fête de la musique en France? A. Bernard Tapie. B. François Fillon. C. Sébastien. Jacques Lang. Attends, il est à l'origine de quoi, Martin Aubry. C'est loin la France quand même.
Non, c'est loin, mais faut se cultiver un peu. Attendez, vous pouvez répéter les noms. Bernard Tapie. Ok. François Fillon. Jacques Lang. Jacques Lang. Martine Aubry. Ah, l'origine, elle a fait de la musique. Je crois que c'est Jacques Chirac, non? C'est Jacques Chirac, quoi. Moi, je pense que c'est Martine. Je sais pas. Réfléchissez bien. Moi, je vous dis. La bombe au milieu, là. Jacques Lang, je sais même pas c'est qui, carrément. Merde. Martine, c'est sûr, c'est un nom de fille qui aime la musique, ça. T'as pas besoin de répondre, ça. T'aimerais bien rejoindre quel groupe, toi? Yo, moi, je préfère rester solo. Ah, mais tu vas exploser, alors. Mais non, yo, parce qu'eux, ils vont dire la mauvaise réponse, après, je vais leur donner. Oh, tu restes... Non, mais c'est toi, la bombe, tu vas avec eux. Quoi? Ah, tu circules avec eux. Non, tu vas faire de groupe en groupe. Martine. C'est bon. Ah, vous dites-moi. Réponse C. Vous êtes sûr? Non. Faut valider, faut me dire. Bah oui, oui, bah c'est mon dernier mot, Jean-Pierre, mais je suis pas sûr. Je sais pas, appelle pas Jean-Pierre, c'est Sergueï. Pardon, bah c'était mon dernier mot, Sergueï, mais je suis vraiment pas sûr. Jack Lang. Ouais, oui. Ouais, bonne réponse. Bien joué, les mecs. Mais je vous fais scout. Attends, j'étais sûr que c'était Martin. Je vais chialer, je vais chialer. Dans l'équipe 3. Vous êtes prêts? Oui, c'est prêt. Non. Quel est le prénom de la fiancée de Popeye en ce moment, non? A. Barabra. B. Nicole. C. Olive. D. Rose. Le monde a été volé. Personne me vole. Tu sais? Oh. Tu es sûr? Oh, t'as la réponse? Salut les gars, ça va ou quoi? Bonjour. Attendez, réfléchissez. Ouais, tonton. Une question. Bon, c'est le sergent Smith. Est-ce que tout va bien? Non, sergent Smith. Non, ça va carrément pas. J'ai carrément une bombe dans le dos. Je sais que ça va pas. Carrément crevé. Parlez plus fort, sergent. Parlez plus fort. Mais pas plus fort. Ça va pas. Ok, tout le monde m'entend ou pas? Oui. 5/5. Ok. Écoutez-moi bien. On va tout faire pour vous libérer, ok? Croyez-moi, croyez en moi, et croyez en vous. Ne rentrez pas dans leur jeu. Ce n'est pas à cause de nous. C'est à cause de vous. C'est pas à cause de vous. Prouve-le. C'est à cause de la police. C'est à cause des putains de flics. Vous allez voir, on va vous sortir de là. Hein, pour c'est quoi vous la question actuelle? La question. Vous avez l'intérêt. Sergueï. La question. Fucked up lingo. La question, c'est quel est le prénom de la fiancée de Popeye? C'est pour quel groupe la question? L'équipe 3. Tu es comment là? Alors vous avez trouvé? Non, Niels, vous allez pas répondre. C'est bon, je la donne. Si, on a la réponse. Vous. On n'a pas cette question. Attendez. Vous savez quoi? C'est le policier qui va répondre à votre place. Ah non. Yo, comme ça, tu lui mets la bombe dans le dos à lui. S'il te plaît. Allez. Non, on va trouver une autre question là pour lui. Non, prenez une question pour lui. Il a carrément un crâne pointu ce sergent. Eh ben tu sais quoi, toi, tu vois, j'espère que tu vas exploser. Mais yo, c'est moi, j'ai la bombe, t'es sérieux? Il a dit j'espère que tu vas exploser, yo, t'as entendu le flic? Ouais, vas-y, c'est quoi ta question? Quel est le numéro du département du Finistère? Yo, c'est quoi cette question? Vous avez 5 secondes. 5 secondes. 4. Tu vois, 2. 29. Alors là, je sais pas où t'as eu l'info, réponse. Mais... Bonne réponse. Oh le chertri. Oh le chertri de ouf. Bonne réponse, l'agent. Sors de là. Oh, il a un gigantesque crâne. Bon, non, écoutez, écoutez, on va vous ramener à manger. Écoutez bien, on va vous ramener à manger, à boire, restez calme. On va vous sortir de là, ok? Non, on a faim. Moi aussi, j'ai... Enlève la bombe dans mon dos, yo. Je t'en emmerde. Sors le flic, sors. Ouais. Dégage d'ici. Ramène les lingots. Attendez, je suis allergique au gluten, moi. Eh, tu sais que toi. Tu casses les couilles, yo. S'ils ont tout le temps raison, ils ont tout le temps bon, tu vas exploser tout seul. Quoi? Mais yo, la vie de ma mère, j'explose pas tout seul, j'explose avec vous. Non, j'ai pas trop de monde. Mais yo, vous êtes des bâtards, m'abandonnez pas, on est venus tous ici, on ressort tous ici. Non, c'est toi qui nous as tous invités, hein. Quoi? Ils vont rester quand même. Mais j'ai grave invité personne, vous êtes sérieux, je vous ai juste appelé pour faire une soirée cool. Mais c'est ton tweet. Ouais, bah super. Ah, cool, c'est soirée, ton tweet en plus. Ouais, c'est mon tweet. Merci beaucoup. Ben non, mais de, bah, non, pas de rien, non. Non. Mais j'ai pas un jeu, ça va bien. Grâce à toi, on fait une grosse soirée. Ben ouais, moi je croyais que ça a été une soirée Grégousse Ballon. Tu connais, mais c'est parti en couille. Bon, l'équipe 4. Ouais. J'imagine que quel don
possède Christophe Lambert dans le film Highlander. 1. Il voyage dans le temps. 2. Il est immortel. Attends, c'est quoi le film ? Je connais. 3. Il pratique la magie noire. 4. Il parle avec les morts. Il est mortel, il est mortel. C'est 2, c'est 2. Yes, c'est la 2. C'est la 2, c'est la 2. Il y a la 2. Vous êtes sûr ? Il est mortel. Il n'y a même pas le film. Les gars, arrêtez de vous aider, les gars. Il y a la 2. Il est mortel. Bah, le 2, hein ? Non, le 2, il est mortel. Vous validez ? Bah, vous êtes sûr ? Bah, non, mais vas-y. Il en valide. Vous êtes sûr ? Vous voulez pas vous. Bah, ouais, on est sûr. Vous voulez taper lui, là ? Ah, sûr. Bonne réponse. Ouf, ouf. Voilà. C'est la meilleure. Est-ce que vous êtes prêts à l'équipe 1 ? Non. Ouais. Est-ce que vous aimez bien le sport? Ouais, c'est mon truc, ouais. Moi, j'ai c'est quoi votre monde. Meilleur sport préféré? Basket. Mais personne sait trop. Boxe. Football. Ah, c'est pas du tout sur ça alors. On est dans la merde. Quel club un golfeur utilise-t-il pour un green? Oh putain, sa mère, les gars, c'est quoi la réponse? Attends. On peut avoir des propositions. Heureusement, on a fait ça. Ta gueule, Lixi, ferme ta gueule. Oh, je sais, je l'ai. Un driver. B. Rends mon iPhone 13. Twitter, C. Un driving iron. D. Un bois de parcours. Ok, c'est bon. Ouais, j'ai joué sur jeu.fr au golf, c'est le B. Ouais, j'ai joué à Wii Sport. Vous êtes sûr? Ouais. Certain. Je sais pas, je l'ai su, moi. Vous êtes sûr que vous voulez vous taper celui-là aussi? Il est gentil. Ah, vous voulez prendre la bombe? Non, vous savez quoi, c'est bon, je garde la bombe, c'est bon, je suis un homme, je vais la garder, c'est bon. Merci. La donner à personne. D'accord. Vas-y, explose. Bande de bâtards, je te remercie, bande de pute. Merci. Bon, je la garde, mais je pète avec vous. Non, tu pètes solo. L'équipe 3, il y aura une question bonus pour Skittles. Oh putain. Yo, vas-y. Après, dans deux tours. Ah, t'as pas dans ce pays, c'est ça. Si, t'inquiète pas. Dieu que dame. Oh, hein. Ok, c'est quoi, tu passes pour l'équipe 2. Tu passes pour eux. Yo. Fuck non. Ça veut dire que si je rate, ils meurent. Non, tu vas avec eux. S'il te plaît, Skittles. Hein, s'il te plaît. Duck. Suppliez-moi. Lequel de ces chanteurs n'a pas été découvert par l'émission The Voice? A. Grégoire. B. Slimane. C. Claudio Capéo. B. D. Amir. Mais c'est quoi ces noms texiciens faibles? Yo. Pardon. Allez, t'as même pas 10 secondes. 10. Yo, en vrai, je pense que c'est là. Je pense que c'est Grégoire. Ouais. Vous validez? Ouais. Sûr, certain? Ouais, certain, ouais, ton crâne. Pourquoi? Hein? Non, je disais, et je suis bonne réponse. Let's go! Et merci le chat! Mais je peux pas savoir, ouais, c'est trop dur. T'inquiète pas, tu vas le faire pour toutes les équipes après. Je regarde The Voice, moi, je fais quoi? Je mets si du vernis. Mets dans la merde, je te retrouve jusqu'en enfer. On va se balancer la bombe. Ah, il s'explose, tu peux prendre tes choses là, ils sont trop stylés. Pour vous. Vas-y si tu veux. Un canon, c'est quand? Après. Vous êtes prêts ou pas à l'équipe 3? C'est 3. Donc, en France, les événements de mai 1968 commencent par kick ton phone. Une crise politique, un mouvement ouvrier, un mouvement étudiant et les résultats aux élections. La réponse est ouvrier étudiant. Vous avez 10 secondes. Mouvement étudiant. Ah non, attends. Sur sûr. Sûr. 8, 9, 10. Donc. Oui. Donc. Ça a commencé par une grève ouvrière qui enchaînait sur un mouvement étudiant. Et que c'est parti en manifestation. Donc, c'est quoi le. Dites-moi. La B. Le premier, c'est les ouvriers, c'est une grève ouvrière. Vous voulez dire le B? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. Un mouvement ouvrier. C'est faux. Oh, allez, Skittles, tu vas avec eux. Mais non, yo, il pue. Yo, il pue leur mère, mais putain. Si, moi aussi, il y avait des... Mais prenez la bebon, moi, j'en veux pas, yo. Mais moi, il veut pas de toi, t'en fais quoi ici, toi? Mais yo, mais moi non plus, je veux pas de vous, l'équipe 4. Mais pourquoi vous voyez que ça? Ils m'ont pas écouté. Depuis 2020. Après, en vrai, il y a des mecs. J'ai l'état pour devenir le 51e état des États-Unis. J'en ai, je suis désolé. A. Cuba. B. Costa Rica. C.
Hawaï de Puerto Rico. Ça va être 10 secondes. 5. 3. 2. 0. Ok, on sait. Ok, on sait. Passez. Non, Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Alors, Sergei, la bombe est où? Bonne réponse, la bombe est là. Je suis là, putain, ils poussent la merde cette équipe, yo. Je suis avec eux. Let's go. Yo, c'est vous. Que dire ça, toi? Ouais, laisse sur moi, mais. Je suis content de l'avoir. Quoi? Je suis content de l'avoir avec vous. Non. Mais vous êtes sérieux, je suis Maxi Bogos, hein, par contre. Sachez que si. Oui, on est prêt. Sergei, sachez que si jamais. Qu'est-ce vous? Hey, garçon. Avec la bombe. Qui veut chier? Qui? C'est pas moi, donc quoi? Qui veut chier? Lève la main, dis-moi! Ah, je dis pas non. Moi, je veux chier! C'est lequel qui a dit ça? Tu es sûr? Ah, et moi? Je crois que t'en as pas envie. Avance, viens, suis-moi! Oh, j'ai plus. Là, vraiment, j'ai ravalé. Genre, j'ai plus du tout envie de chier. Je pense que t'as fait avaler des fesses. Est-ce que vous avez ta bombe? Toi, t'es pas un homme. Moi, j'ai, monsieur, quoi? T'es un homme ou t'es pas un homme? Bah, je suis un homme, yo! Bah, je crois qu'ils ont qu'une seule bombe, donc si tu cours, ils en auront plus. Ah ouais? Si je cours, je vais mourir si je cours. Ouais, je pense. Ouais, mais si cours, il crève. Genre, tu cours vers la sortie. Ouais, mais dans tous les cas, ils ont des armes, ils peuvent vous tuer. Ils ont des armes, ils ont des armes, on peut rien faire. Je vous jure, on peut se sortir sans les manins, les manins. T'inquiète, j'ai regardé des dingueries. T'inquiète, je suis Arturo, moi, les gars. Mais t'as cru qu'on était sur Telegram. T'as peut-être bon, on va faire tic-tac. Quoi? Oh putain! Non, mais Sergei, s'il te plaît! Arrête de faire le mal! On va voir si t'es intelligent après. Pose-moi une question et je me libère. Là où j'ai une solution. L'équipe 1. Je vais faire une crise des piles. Vous aurez 10 secondes comme tout le monde. De quel pays? Tirana est la capitale. J'ai rien compris. De quel pays Tirana est-elle la capitale? C'est Tirana, mais c'est où Tirana? Vous êtes sûr? Attendez! Tirana ou Tirana? Tirana. Ouais, va chercher la bouffe aussi. Donc, réponse 1, Thaïlande. Réponse 2, Mexique. Réponse 3, Albanie. Réponse 4, Madagascar. Ok. Je fais venir dans la nourriture, puisque nous serons là pendant un peu de temps. La flica, il veut pas donner mes lingots. Yo, mais donnez les lingots, bande de tarbans. C'est bon, c'est bon. Mais ça, c'est étonnant. Putain, on a vraiment pas de chance, ça, grand-mère. Oh, mais yo, mais ma mère, elle va m'arracher, yo. On a répondu à leur question, on a répondu. Oui, putain, elle pourra pas t'arracher, c'était mort. Ah ouais, j'avoue. Oh les gars, vous voulez pas me... Ah ouais, mais non, ouais. Non, c'est pas... Ah ouais, non, c'est chiant de mourir, en vrai. Enfin, flemme, quoi. Ça fait mal. Putain, mais je sais pas si je préfère mourir ou me faire arracher par ma daronne. On va peut-être faire péter Skittles. Non, yo. Non, mais... Sergei, s'il te plaît, ma daronne est maintenant, elle va m'arracher en plus, je suis en ennemi avec elle. Pour le moins, en plus. Bah, tu nous sors de sortie au moins, tu nous fais une ouverture. Une ouverture? Ça veut dire que là, je vais être le dernier otage, là. Nia, tu vas faire péter un mur. Yo, quand même pas, genre moi j'ai pas la force de péter un mur, hein. Je veux bien, bah, genre je peux me battre avec n'importe lequel d'entre vous. Non, mais ce que t'as dans le dos, ça sert à quoi? Ah! Yo, quoi? On jette Skittles dans le mur. Mais yo, je suis trop lourd. Et ça fait boum. Non, mais s'il te plaît, yo, Sergei, fais pas le bâtard. Ça fait boum boum. Et comme ça, on est. Mais tu peux le décrocher et le mettre sur le mur, regarde, trop malin, je viens de trouver un plan. Comment ça, Niette? Une perte de temps. Yo, mais s'il te plaît, Sergei, je t'en supplie, yo, ma mère, elle va me tuer! Bah, c'est la merde! Putain! Tu veux que ce soit ta mère ou nous? S'il te plaît, yo, Sergei! Libère-moi! J'ai aucune pitié avec les Américains. Mais je suis pas Américain, moi! Eh, t'es quoi? Je suis Africain, à la base. Après, je suis Américain. Prêt, soyez prêts, j'ai vu le SWAT se préparer! Quoi? Attends, mais y'a des otages en train. Non, mais Vladimir, s'il te plaît, yo, Vladimir, yo, enlève! Les otages, vous venez! D'ailleurs, on va prendre le SWAT. Oh, ça va être incroyable. Non, mais s'il vous plaît, yo. Ok, c'est bon, s'il y a de la merde, les gars, je vous sauve tous, c'est bon? Mais comment? Tu peux pas te sauver toi-même? T'inquiète, je me fais. Putain! Les otages, venez ici! Allez devant. Yo, mais les gars, s'il te plaît, yo. Non, non, c'est pas bon, ça sent pas bon. S'il te plaît, les man. Putain, il a mis devant. Mais les man, yo, j'ai une bombe. Mettez-vous ici.
Mets-toi dans le tas là, ce qui te. Faites une ligne de protection depuis chez vous. Une ligne de protection! Yo, je suis pas une ligne de protection, moi! Let's go! T'es une ligne d'explosion, toi! Rien! Commence comme ça, c'est bon! Maintenant, vous restez là! S'il te plaît, Vladimir, enlève-moi la bombe! Je t'en supplie! En vrai, si tu étais pas là, la scène dans la boîte serait longue de ouf. Ouais, j'essaie de faire des petits trucs, hein, mais bon, tu connais quand t'es sous fire RP aussi, tu peux pas faire. Ça. Alors, écoutez-moi bien! J'ai vu le SWAT partir vers l'arrière, d'accord? Je pense qu'ils vont arriver par ici, d'accord? Vous comprenez? Yo, par pitié! Donc, si jamais ils rentrent, ils vont faire frontal. C'est une bombe, un attentat. Avec la clé. Oh, la vérité, Skittles. Comment tu peux me chanter dans des zones de la mais c'est bon, j'essaie de détendre l'atmosphère, bordel, yo! Arrêtez vos conneries! La vérité, je vais te suivre. Allez, arrêtez de stresser, yo! Ils arrivent à l'avant, Vladimir. Ils sont devant, là. Hauteur et en face. Ouais. Le M, il vient de me le dire. De M? Je saurais qui c'est un jour ou l'autre. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, toi. Ouais. La vérité, ferme ta gueule. Ok, pardon. S'en sort, t'es mort. Personne ne passe. Ok. Pourquoi vous avez voulu lancer l'assaut? Reste là, t'inquiète, on lance pas l'assaut, on vérifie juste que c'est que les cibles vont... Niet, on m'a informé que des personnes de la police sont rentrées par derrière, là-bas, avant. Plus c'est vous. Écoutez, ça va être bien simple. Vous allez sortir de ce garage, d'accord? Elle est longue. Vous allez tous reculer très très loin, à gauche. Vous comprenez? Corben à la voie de Z, non grave. Bien, tous reculer très loin, à gauche. Immédiatement. J'ai toujours 6 otages, dont 2 bombés. Les bombés, c'est lui et elle, vous comprenez? Je suis un bomber, les mecs. Montrez votre dos. J'ai 36 derrière. Yo, s'il vous plaît, restez loin, écoutez-les. On a aucune envie de chier pour maintenant, là. Je vais pas me réagir. Je suis bombé gars. Mais maintenant. Pas les super-héros, on a des otages. Avancez doucement. Faites pas les héros, ça va en ligne. Ça paiera pas. Yo, attention, doucement en ligne. Stop. Sortez de là, la police. Et passez à gauche. S'il vous plaît, sortez. Sortez, yo, on va exploser. Mais sort, tu dis que t'as marre. Sort. Yo, sortez. On a des bonbons. Arrêtez-vous le stage, parfait. Arrêtez-vous. Vous sortez ou je vous fais sortir? Sortez, arrêtez de faire les héros, là. Sortez. Sortez, s'il vous plaît. Sortez. Toi, à gauche, sors, là. On va exploser. On va exploser si vous sortez pas. Sortez, on va exploser. On a des. Je crois qu'ils sont carrément rebond. Sortez, vous deux. Regardez, j'ai une bombe. Ils ont des bombes, s'il vous plaît. Sortez, s'il vous plaît. Vous deux, vous sortez. Mais sortez. Sortez, yo. Ces mecs. Gole pas, putain, sortez, yo. Bien, vous avancez pas plus, d'accord. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te prendre, Skittle. Y'a que Skittle qui avance. Yo, mais non, mais arrête Vlad, arrête de marceler. Que Skittle qui sort, avance un petit peu. Bouge. Allez man, je vais vous sauver, vous inquiétez pas. Doucement. Je vais follow sur Twitter. On sort. Doucement. Dis-moi quand. Écoute. Je sors. On va sortir à 3, d'accord? Oui, vas-y. Je te prends pas le bras, tu m'abandonnes pas. Quoi? Tu m'abandonnes pas, non, d'accord? Non, c'est pas du tout ce que j'allais faire. Je te prends pas le bras, gros bâtard. Ah, ok. Là, 1, 2, 3. Vas-y, arrête de faire le tour à Skittle. Vas-y, on sort là, mais yo, tu m'as préparé le bras, genre sors. Skittle sort. Vas-y, je sors, c'est bon. Remets-toi en ligne. Non, mais c'est bon, on sort. C'est bon, on sort, on sort. Remets-toi en ligne. Viens, Vlad, on sort, je te jure, man, je veux sortir. Bien. Je vais te rentrer personne, toi, avec la sulfateuse, viens. Merci, Hades, pour ton sixième mois. Je vais faire pipi. Merci, bon plaisir. J'ai envie de faire chauffer le canon. C'est le bon moment. Yo, tu ferais quand même pas ça, yo. Pas à nous. Ah ouais, tu crois que je vais pas tirer, moi? Yo, non, non, c'est bon. Ouais, mais après, il va grave tirer. Ouais, mais non, enfin.
Bah en fait il pouvait pas sortir. De coup en train de me la chauffer, tu vois. Et quand ça chauffe, ça fait quoi un volcan? Ça explose. Yo, yo, yo. Eh, taisez-vous. Moi, je vais pas tirer, moi. Eh, taisez-vous. C'est bon, tu vas dire. Taisez-vous, taisez-vous. Stop. Plus personne ne parle, je veux plus entendre parler personne. C'est bon, taisez-vous. Yo, je fais une crise d'angoisse. Je fais une crise d'angoisse, sa mère. C'est pas le time d'avoir de l'angoisse, c'est pas le time, c'est pas le time. Il faut ma ventoline. Oh, tire. Yo, m'arrête de faire le lendemain, toi, avec ton couteau. Arrêtez de me moquer de moi. Yo, vous savez pas d'où je viens, moi. Vous savez pas de quel quartier je viens, vous allez avoir des sérieux problèmes. Tu viens d'où, bouffon? Moi, je viens d'un quartier de baiser, du 240. Mm-hmm. Et? Eh ben, je te jure, mon grand frère, il va t'attraper. Il va te niquer. C'est qui ton grand frère? C'est Draco de Hoover. T'es mort, man. T'es dans la merde. Qui? C'est un trou de cram, merde, mais c'est... il va te niquer ta mère, tu vas voir. Je comprends rien à ta langue. Il va te niquer, yo, t'inquiète, mais tranquille, là, tu fais le malin, parce que t'es pas encore dehors, mais quand il va te retrouver dehors, t'es fini, man. Quoi? Bah, j'ai grave pas compris la honte, il parle même pas anglais. My name is Popov Zabolotny. Oh, le nom de merde. Zabolotny, t'as pas honte? Zabolotny. Zabolotny. On va toujours avoir rêvé d'être russe. Aujourd'hui, faire prise d'otage directement avec bombe atomique. Perpéter tout liberté. Yo, t'es un russe, Renoir? Dinguerie? Da, je fais du rap conscient directement de Poutine. Ah, t'es Kerry James. Oh yo, dinguerie. Oui. Tous les soirs, je vois que c'est la merde dans Liberty. Je comprends pas pourquoi sa mère est en Azerty. Et toi, Thug Life, je comprends pas la vie est terrible. Ça fait du shit tous les soirs. Hein? Laisse envoie ton level en accent russe. Ah, mais vous savez pas, mais Corben il a des, il a un bête de niveau en accent. Je me souviens, il faisait accent italien, il était trop fort. Accent russe, il est grave chaud. Avec tes longs cheveux, je sais que c'est pas laid, tiens. Accent chinois, je vous jure, il est trop fort en accent chinois. Je me souviens, un moment sur G-Life, il avait fait un chef de la triade et genre il faisait un bête de. Ta bouche, j'ai une big dick. Yo, mais toi, tu sais faire plein d'accent en vrai, hein. T'as dit quoi? Yo, tu sais faire plein d'accent. Moi, oui, pouvoir faire beaucoup d'accent. Parle plus fort, parle plus fort. Yo, parle chinois. T'as un accent chinois. Non, c'est trop. Yo, c'est hyper raciste. C'est hyper raciste, par contre, hein. Voilà, il parlait comme ça, c'était incroyable. Ça c'est japonais, ça. Il parlait comme ça, genre c'est incroyable. En plus, il nous pose la question alors qu'il est en train de le faire. Toi, je vais te planter si tu commences à faire des commentaires sur mon putain d'accent. Yo, t'as un accent carrément masterclass, yo. Vas-y, toi, fais un accent. Yo. 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 Putain, je sais carrément pas faire d'accent, mais là je suis stressé en fait parce que j'ai une bebon. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez m'enlever ma bombe là? Non. Hors de question, garde bombé. Ça toi. Reste bombé, galbé. Oh non. Qui sait faire un accent ici? Quelqu'un fait un accent, je vous plante. Ouais, j'en peux. Moi. Vas-y, toi t'es là, t'es. Quelqu'un sait faire un accent, je le plante. Québécois, je sais faire. Arrête de pleurer quand j'appelle. Il sait faire l'accent du pleur. Victime, blablabla. J'allais prendre mon sac. C'est un Québécois qui pleure. C'est un Québécois qui pleure. C'est un Québécois qui pleure, il s'imagine trop fort, il est pas content. Je pense que j'allais prendre mon chandail. Tu vas prendre ton quoi? Mon chandail. Chandelier, ah, what a shit. Mon chandail, pas mon chandelier. C'est quoi un chandelier? Un chandail, c'est un. T'as dit quoi? C'est pas faire le russe? Non, vaut mieux pas. Ou le polonais? Vas-y, pour voir. C'est pas faire le polonais, toi? Non, franchement, ça me dit rien. Franchement, pas obligé de faire. Arrêtez au bout de 3 jours, votre organisation. C'est faire le OG, si vous voulez. Nique ta mère, yo. Mais pourquoi? C'est gratuit, ça, je reconnais. C'est gratuit. Nique ta mère, le dé. Faire grosse couille directement avec bombe, pas pouvoir tenir face à police. Votre merde. Dis ta mère. T'as vu le nouveau film avec Thor et Loki? Loki se fait déchirer la schneck par Thor, mon frère, c'est incroyable. Ah ouais. Eh ouais. Nique sa mère. Aussi, Thor, il est cheaté. Il est cheaté, ouais, il a un marteau.
Loki, il a quoi? Il se transforme en femme. Tout ce qu'il sait faire. C'est sa mère, ouais. C'est vrai. Et qui d'autre a un accent plus intéressant que le pleur ou le mi-québécois chandelier, je sais pas quoi. Sergei, c'est pas le bon mot, là. Ferme ta gueule, Vladimir. Je rigole, j'ai pas les couilles. Ah ouais? J'ai pas les couilles de crier. Ouais, fais-en. Fais un accent, vas-y, fais un accent, t'as dit. Vas-y. Sans racisme, bien sûr. Alors. Yo, l'accent de gros. Ah ouais? Tu veux que je fasse quoi comme accent? Mais fais le meilleur accent, celui qui va te sortir tranquille, ou je te fais une taillade sur la joue. Ok, je fais un accent asiatique, c'est bon. Vas-y, attention, vas-y. Vas-y. Bah ça va les mecs ou quoi? C'est grave. C'est dire qu'une phrase, il a dit une phrase, ce fils. Mais non, les mecs, parlez toute ma vie. Vas-y, parle toute ta vie, vas-y. Maintenant t'es asiatique, c'est bon. Bah là, c'est un peu compliqué, vu que t'as vu, il y a des bombes partout, c'est pas envie de péter. Y'a des bombes. C'est bien, je te taille la joue. Arrête! Non, arrête, pas vite. Arrête. Bon, qui sait faire un autre accent là? Personne. Yo! Ça tire! Ça tire de baiser, yo! Donnez-moi une arme, je tire aussi! Tire là! J'ai tiré toi? Ouais? Non, c'est pas nous, c'est rien, les gars. C'est pas nous, it's the fed. This is the feds, man. You know? He need to. Ah, c'est quand même prank. Ok. I'm a fuck you pussy boy, man. Ouais, bah c'est pas drôle, c'est un prank là. Yo, eh? We talk like a top boy, man. I will slash yo, you now. Yo, j'ai carrément la ref. No, I'm saying, man. My name is Sully. Do you know Sully? Yo, t'as carrément la voix de Sully, genre de baiser. Yo, man. Mais par contre, Sully, c'est vraiment un fils de pute, yo. Fuck Jamie, man. Ah ouais, la ref. Yo, don't talk about Jamie like that. Bref, man. Hey, look, man. Look. Jamie is a pussy, man. You know what I'm saying? Pussy, mais genre tu l'as tué, espèce de pute. Y'a Bamboclad, mon homme a fuck a pussy boy, man. Comment ça, Bamboclad? Man a chop me so, man. Talk me, boy. Les otages. Man a pussy boy. Ouais, ils sont ouais, c'est nous. Oui. Ouais. Sergei. Pardon. Écoute. Il m'a dit de trouver la solution moi-même. Sergei. Que fait-on? Pourquoi il vomit quand il parle? Sergei. Quoi? On le dépose un peu plus loin et on se barre. Non mais niat, ils doivent avoir hélico, ils doivent avoir plein de trucs, ça fait une demi-heure on est là. Mais nique sa mère, tu tires avec le minigun, yo. On part en Russie avec un hélicoptère. Et nous? Vous venez aussi. Oh le plan il est grave. Non, c'est bon, j'ai... Eh Vladimir, moi je croyais que t'étais un pro. Ta gueule. Ah, oui. J'aime bien faire la fin. Improviser. Avec l'improvisation. Oui, la prison avec l'improvisation. Oui. C'est un peu approximatif pour nous. Vladimir Scofield. Bon, lui, il parle beaucoup. Bon. Avec... Lui. Pardon. Vladimir, désolé. Je suis désolé. Au nom de tous les otages, je m'excuse. Non, mais je vais pleurer après. Suce le sol. Arrête de pleurer, ton pro. Lèche. Suce quoi? Lèche sol. Lick the ground, man. Suce le sol. Yo, non, t'es sérieux? Lèche. Kiss the sol. Non, tu peux pas me faire ça, Vladimir. Lèche le sol. Pas à moi, Vladimir, s'il te plaît. Yo, j'ai une bombe depuis 3 heures. Si imagine, je me baisse et la bombe elle explose, on meurt tous. Non. Bien. Tu vas mourir accroupi, c'est bien. T'inquiète. Bien, alors, j'ai une question pour toi. Vladimir. Qu'en penses-toi? Yes. Sergei. Pardon. Que nous on part, on voulait gêner. C'est la bonne chose. Non. Écoutez, non. On vous dépose les sous dans votre quartier. Et nous partons. Quel quartier? Dès, je vous dis pas. Désolé, je prends les autres. H-Block. Les H-Block. Yo, bien. Vous êtes les H-Block, bande de patron. On va parler. Ouais, mate, il became motherfucker. Qui est le patron? Venez, patron. Oh, ah ouais. Yeah. C'est les H-Block. C'est quel patron des Américains de merde? C'est moi, King of. C'est moi. J'ai connu un mec qui le fait mieux quand même. Ça va, Sergei? Ouais, bien, ça va bien, toi. Oui. T'es bien là? Ouais, franchement, ouais. Moi j'ai une question. Sergei, vous voulez des sous aussi, vous? Ah. Est-ce que vous pouvez enlever la ceinture, s'il vous plaît? Niet. Vous voulez des sous? Mais t'as cru. Ouais, de ouf? Oui. Ouais, bah ouais. Ah oui, carrément? Ouais. Clairement? Oui. Trop bien. Ouais, s'il vous plaît. Yo, donne-moi au moins 50 000. Moi, 2000, je prends. Moi, 10 000, je prends. Ouais, même 5 balles en vrai, je prends. Même 1 euro, 1 dollar, pardon. On te donne 50 000 si ce qui te fait exploser.
Ok, ok. Vas-y, ah, bon, vas-y, 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 let's go. Pour nous. Ouais, il est d'accord, il est d'accord. Il a peut-être fait exploser. Yo, non. Ou donner à nous, au pire. Damn, ouais, on se le partage. Ça fait 10 000 chacun. Yo, vas-y, Sergueï, s'il te plaît, donne-moi au moins 10 000 dollars. Yo, ça fait 3 heures, j'ai une bombe dans le dos, je stresse. Nee, niet, ça fait pas 3 heures. En plus, j'ai mis la bonne ambiance dans les otages, t'as vu? Ça, c'est vrai, par contre. C'est un bon leader d'otages. Ouais, t'as un bon. Enlevez ma casquette. Très bien, j'ai le plan. J'enlève. Le monsieur derrière moi, il va prendre. J'appelle pas Skitter, mais Onizuka depuis le début. Madame. Ah, ok. Oui. Vous avez une bombe sur le dos. Oui. Vous allez avancer doucement et vous allez suivre ce monsieur. Ok. Vous allez dire vous que vous êtes... Oh non. Ah, petit par là. Non, non, non. Tu veux pas prendre moi plutôt, man? T'es tué. Allez. Non mais Aya, je veux pas qu'elle meure. C'est quoi ça? Elle va mourir. Ah ouais, pardon, je voulais ma casquette. Ça m'en coupe. Bien, avance doucement, madame. Oui. Go, 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 go. Yo, tu vas pas me laisser entre ses mains, entre ses mains, man. Sortir à 4. Les autres, braquez les otages. À 4. Mais yo, sale bâtard, va. On va sortir tous les 4 à mon octobre, d'accord? Et les mains en l'air. Bon, on lève. Quand on bat là. Bon, lève tes mains, j'ai peur. Yo. Ça va aller. Mais les mains en l'air. Pucho Enzo. Pour l'instant, y'a pas de sorcier encore. Je te parle au niveau. Ok, ok. On sort à mon top. Et le R, regarde tes. Non, le S, regarde tes messages. Hein. Ok. 1. 2. À 4. À mon top. Top. Sors. Yo quoi? Non. Non. S'il vous plaît. Non, y'a rien qui va se lever. Braque-les. Mais ça nous regarde, ça nous regarde. Il a dû regarder le message à moi. Écoutez bien, ça va être très simple. Si dans 3 secondes vous baissez pas vos armes, je vous prends. Ah ouais, c'est moi le S. Tout le monde, c'est compris. On va canner, y'a pas de soucis. Je pense qu'il peut aller. Les otages vont sauter aussi. C'est bon. Donc dans 3 secondes, y'a pas les armes de baisser, on explose. Ça vous va? Mais non, mais si je sors mental, il va me niquer l'autre. On est de la chair à canon, on va te le montrer. Ça, depuis tout à l'heure, tu as bien le répéter. On est de la chair à canon, et bien, on va te le montrer. Donc, dans 3 secondes, vous baissez pas vos armes. Je vous promets qu'on est sur. Ça va les couilles? Je vais regarder. Ah bon, vous voulez perdre vos vies, vous n'avez pas de famille, rien. Ouais, bah ouais, non. Ah, c'est sautage ici. Bien, ça se passe très bien. Bah attends, ils sont rentrés. Très bien, ils sont rentrés. Qu'est-ce qui se passe? Regarde en haut. Je pense qu'ils parlaient pas à moi. Bien. Ils veulent voir qu'on est de la chair à canon, on l'est. Ça vous va? On l'est, on est de la chair à canon, on aime ça. Monsieur le policier! Et nous! Je vous conseille de pas avancer plus, vous comprenez? On est en négociation à l'extérieur. T'as pas tenté de toute façon, bah si si, en gros ils les ont mis par terre mais. À l'extérieur. Écoutez, moi je veux juste avoir une sortie, vous comprenez? Ouais, un peu, ouais. Enfin, boum, 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 boum. À pied c'est chaud, mais. Dit, cette connerie putain. On va le faire ça. C'est pas grave, écoute, hein. Comment on dit action égale conséquence, mon petit Skittles. Yo, mais vous recrutez ou pas? Moi, si vous voulez, je peux vous aider. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Yo, les mecs, moi, je viens de porter une bombe 3 heures, yo, je suis pas une salope. Dépêche ton CV, on regarde ça plus tard. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que toi, Scott. Scott? D'accord, viens, Skittles. Ouais, tu m'as appelé Scott, trop stylé. Allez, vas-y, suis-le. Je vais te mettre là, ici, là. Yo, les flics, c'est moi le boss de l'organisation. C'est moi qui dirige. Tu vas mettre tes bras hantés, s'il te plaît. Mais quoi? Tes bras hantés. Tu vas pas me tuer, yo. Niet. Ah, ça va. Peut-être. Quoi? Comment ça peut-être? Peut-être. Non, s'il te plaît, Vlad, yo, s'il te plaît. Je vais te faire un truc. Oui. Donnez-moi un bout. Attends, je vais le prendre. Un bout de quoi? Tu fais quoi, là, Vlad? J'ai été gentil, moi, en plus, j'ai... Yeah, je vais te cacher tes yeux, d'accord? Je vois rien. C'est très bon, t'inquiète, c'est très bien. Bien.
Tu vas pas te débattre, d'accord? Tu es gentil. Ouais, moi je suis trop gentil, hein. Tiens bon. Mais s'il te plaît, man, j'ai 17 ans. En plus, ma daronne, elle va me niquer. Aïe! Ah, mais putain, tu fais quoi? Aïe! Aïe! Mes bras, yo! Alors maintenant, si tu avances, tu meurs. Si tu bouges, tu meurs. Si tu débats, tu meurs. Tu comprends? Oui. Bien, alors tu bouges plus maintenant. Bouge yo, plus. Yo, s'il te plaît! Yo, pitié, Vlad! Ah! Yo, ça résonne dans cet entrepôt! Nique ta mère, Vlad! Yo, il est parti? Il y en a un qui reste oh avec merde, lui. Il est encore là. Je le vois pas. Eh, hey, dites-moi quand Vlad il est parti, je l'insulte. Reste avec lui. Non, non, on te dit. Sortez. Vlad! Oh, nique ta mère, Vlad! Vlad, le fils de pute! Nique ta mère, Vlad! Oh! Oh! Nique ta. Ah, c'est quoi ces bruits là? Yo, c'est quoi ce bruit? Pourquoi ça fait poum 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 brrrra? Bouge surtout pas. Yo, t'es qui? Yo, t'es qui? Je te connais pas cette voix là. Yo, enlève-moi le truc qu'il y a sur ma tête. Il y a Vladimir en face de moi, il est sorti, il est sorti. Vous auriez pas dû faire Vladimir, nique ta mère, Vladimir, fils de pute, va. Yo, pourquoi je vois des lumières dans mon bandeau? Wesh. Touchez surtout pas la tâche. Oh. Putain. Mort, il a explosé ses quatre intérieurs. Oh. Oh, je vais où là? Wesh, ouais, ouais, ouais. Cartez-vous. Attendez, je vais me revive. Pourquoi je suis... Monsieur, que j'ai devant moi, il agent d'autorité sécurisée dehors, on a besoin de prendre l'air. Aucune idée, je sais pas, pour l'instant on va rester ici, j'ai aucune idée en radio. Là j'ai pas, j'ai laissé ah ouais, là ils m'ont dit, en vrai, ils sont dans la merde, là, les ouvriers, parce qu'ils ont fait, il a fait péter tout le monde. Ah putain, mais y'a pas de la ventilation dans cette merde là! La voiture, on va allumer la clim. Excusez-nous, madame. Pendant l'explosion, on était caché derrière le truc de sable et on a pris le souffle là. Oui, mais là, j'ai plus rien de l'MS, j'ai besoin de vous ici. Ouais, parce qu'en fait, il est con. Genre, quand t'appuies sur G, ça fait exploser tous les C4 que t'as posé. Genre, je vais prendre son pouls. Monsieur, là. Votre collègue, faut vraiment que je l'en transporte au plus vite. Putain. Je sens un pouls mais léger, faut vraiment que vous nous aidiez à ramener. On a qu'une ambulance. On a vraiment qu'une ambulance, on est quatre. Voilà. Vous êtes sûr qu'il peut survivre après ça? Je sais pas, je sens un pouls, c'est léger, faut vraiment pas, mais les. En tout cas, c'est une balle mal. Hein. Putain. Putain. Écoute, on va essayer. Sur la conscience, c'est débile. Wesh. Est-ce que vous... C'est s'il vous plaît, que je le mette sur le ventre. Oh, ne bougez pas. Hein. Merci. Madame, vous voulez que je vous aide à le mettre sur le bancard? Oui, je veux bien. Ok. T'as même pas de background avec ce perso? Si, mais c'est juste que vous allez voir au fur et à mesure du temps. En fait, je préfère pas faire de background écrit et tout ça. Je préfère me laisser un peu... J'aurai des trucs que je vais ajouter au fur et à mesure du temps. Évitez de le terminer, madame, j'avais pas capté. Allez-y, madame, je vous aide. Merci. Elle est où l'ambulance? Oh, moi, on a récupéré tout le monde à l'intérieur. C'est moi qui ai les clés, c'est moi qui ai les clés. Corben, il était là-dedans, là, il est mort là. C'est moi qui ai les clés, je suis débile. Il y en a encore ou pas? Non. C'est bon, là. On a fait un Boston de que dalle qu'il a eu, lui. Ah, monsieur, vas-y, ça va, posez-le, je vais le mettre sur un brancard. Ouais, tenez. J'ai un brancard avec moi. Parfait. En vrai, moi, je vois bien la suite, là. Je sais exactement comment je vais jouer la suite si vous passez sur l'île. Allez. Genre, je vais jouer en mode... comme avec Trix, en gros. Ouais, un peu, voilà. Genre, avec Skeeter, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire la gueule à Draco. Lui, parce que bah j'ai failli mourir, quoi. Il m'a embarqué dans un truc de baiser, genre, sans me calculer. Je vais dire, ouais, tu m'as jamais pris pour un gangster et tout. Tonton, il va apprendre le truc, il va être fou de rage, il va avoir la haine contre le quartier et tout. Excusez-moi, madame. Attendez. Madame. S'il vous plaît, les agents, il est arrivé quoi? Parce qu'on n'a pas trop de topo, là. Madame. Je peux pas, deux secondes. Non, c'est juste pour savoir s'il a explosé. Je sais pas. S'il va bien. Je sais pas, je peux pas vous dire. Ah,
Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je vais lui faire la gueule en mode, et tous les ouverts, je vais leur faire la gueule et tout, et tu sais, ils vont devoir un peu essayer de me récup et tout. Et genre, après, une fois que je les aurai pardonnés, je vais devenir un peu plus un... J'ai pris quoi? Un gangster. Mais il a été projeté complètement.